honnêtement, mais je ne veux pas, Esther. Je ne l'ai jamais voulu. Hein? Honnêtement, je veux dire, je n'ai jamais senti quelque chose envers elle. Je dis pour de vrai. Je ne savais pas qu'elle était amoureuse de moi jusqu'à ce point. Comment est-ce que j'allais vouloir savoir que si elle a voulu devenir une sœur religieuse, c'est à cause de moi? Je n'ai jamais su cela. Jamais. Comment est-ce que ma fille pouvait prendre une décision de devenir une sœur religieuse juste pour qu'elle soit près de l'homme qu'elle aime, alors qu'elle n'a jamais avoué ses sentiments envers cet homme? Ça veut dire qu'une fille peut choisir de devenir une sœur religieuse juste pour qu'elle soit près du prêtre qu'elle aime? Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Je n'ai jamais vu ce genre de comportement bien avant dans ma vie. Hein? Honnêtement, Naomi, écoute, je ne savais rien de son plan jusqu'alors. Essaye un peu de me comprendre. C'est bon, maman. Je m'en fous de ce qui va lui arriver. Tout ce que je sais, c'est que je ne vais pas laisser mon homme pour qui que ce soit, jamais. Si elle le voulait, il fallait qu'elle le confesse depuis longtemps. Elle devait le faire depuis longtemps. Ce n'est pas maintenant que moi, je suis amoureuse. Alors, laisser mon homme pour qui que ce soit, ça ne va pas se faire. Cela est impossible. Naomi, s'il te plaît, arrête de dire ça. S'il te plaît, calme-toi. C'est un problème très délicat. Hein? Fais tout ce que tu peux pour qu'elle ne puisse plus pleurer. Fais semblant devant elle. Maman, je peux pas. Maman, on ne partage pas l'amour, s'il te plaît. Cela ne va jamais se faire. C'est impossible. Steven que tu vois là, c'est moi qui l'ai aimé. Il n'est pas là pour qu'on puisse le partager. Quand j'étais là en train de souffrir pour chercher l'homme de ma vie, maman, toi tu étais où? Et maintenant tu veux que je laisse Steve pour Esther? Maman, c'est impossible. Cela ne va jamais se faire. Steven, c'est moi qui l'aime et point barre. C'est vrai. Maman, s'il te plaît, cela ne va jamais se faire. Amour. Je ne peux pas laisser Steven pour quelqu'un d'autre. Ça, jamais. Je l'aime vraiment. Maman, s'il vous plaît, je suis désolée de s'aimer la peine dans votre famille. Non. S'il vous plaît, maman, pardonnez-moi. Tu n'as rien fait de mal ici. S'il te plaît, allons-y. Esther, pourquoi? Pourquoi? Hein? Tu ne peux pas continuer à pleurer. De plus en plus, tu pleures, tu te stresses encore. Hein? Pense à ce que le docteur t'a dit. Oh. Si tu continues à pleurer, tu deviendras aveugle. Le mieux serait que je deviens aveugle que de voir l'homme que j'ai aimé avec ma soeur. D'ailleurs, le mieux serait que je devienne aveugle. Ok. Quand est-ce que tu avais aimé Steven, si je peux demander? Steven est le seul homme que j'ai aimé. Depuis que nous étions encore à l'école secondaire, il est la seule personne pour qui j'ai des sentiments, la seule avec qui je peux vivre le restant de ma vie. Quand il m'a fait savoir qu'il allait devenir un révérend père, j'ai aussi choisi de devenir une sœur religieuse puisque je savais que je ne saurais vivre sans lui. À chaque fois que je le voyais à l'hôtel en train de servir Dieu, ça m'encourageait. C'est pourquoi je voulais être auprès de lui. Ce n'est que quand je suis allée pour mon opération et il est venu me voir, c'est là qu'il s'est rencontré avec ma soeur. Je souhaite devenir aveugle que de le voir en train de vivre avec ma soeur. Non, non. C'est bon, ça suffit, ça va. Ah, Esther, tu avais fait une erreur. Pourquoi tu ne lui avais pas dit que tu l'aimais? Ou bien le dire à moi, ta mère? Hein? Hey! Tu sais quoi? Arrête d'abord de pleurer. Arrête de te stresser. Si on rentre à la maison, on trouvera une solution. Oh? Hey! Je ne savais pas que le sœur tombe amoureuse. Hein? C'est comment? Hein? Mourir dans le calme? Avec ses sentiments. Hey! Maman. C'est très compliqué, ma fille. Hein? Maman, s'il te plaît, en rentrant, si tu le vois, dis-lui que je l'aime. Et quoi? Pourras-tu lui dire? En mon nom.
Si on rentre à la maison, je trouverai une solution à ce problème. Au moins, s'il te plaît. Alors, sens-toi bien avant que tout se passe très bien. Hein? Et du courage, ma fille. Tu dois très bien te sentir. Et lorsque tu te sentiras bien, je veux voir comment traiter ces problèmes, ma fille. S'il te plaît, oh. Tout ira très bien, t'inquiète. Il faut beaucoup prier, oh. Regarde toute cette terre. Parle, je t'écoute. Ça fait très longtemps depuis que je suis debout. Toute cette terre nous appartient. Et j'aimerais construire une grande maison ici pour les membres de ma famille. Et de l'autre côté, construire une maison pour nos enfants. Alors que comptes-tu faire de l'autre côté? Parle. Que veux-tu au juste? Hein? Oh. Papa? Papa de papa. Mmh. Mon fils. La mère de Mon Stevie. Sois le bienvenu. Ma mère, je suis ravie de te voir. Dégage de là. Arrête-moi ça. Comment ça, maman Steven? Arrête-moi ça. As-tu perdu la tête? Es-tu devenu fou? Ah, Stanley, ton frère, t'a acheté une maison et tu as directement déménagé. Tu n'as pas jugé bon de m'informer ou de m'appeler. C'est ça? Hein? Essayes-tu de me dire clairement que tu as abandonné les séminaires, c'est ça? Maman, je pense que nous avons parlé plusieurs fois de ceci et nous en avions mis un terme. Hein? Pourquoi tu ne peux pas oublier ce problème, maman? Parlons autre chose. Hein? Ce n'est pas bien de faire la marche en arrière. À ce qui concerne la nouvelle maison, je suis désolé de ne t'avoir pas dit cela, mais j'attendais les moments opportuns. Et les bons moments pour te supposer être con? Quand je serai peut-être morte, peu importe, pour ton information, la seule façon que je te vois, parce que c'est ce que Dieu m'a révélé, je te vois comme un très grand prêtre, comme le révérend père Mbaka, hey, comme le père Ndjoku quand il était en vie, comme le révérend père Edé, Delele, le révérend père Monso, Nokunelele. C'est comme ça que tu es censé être, mon garçon. Tu m'as entendu? Parce que le diable a vu la lumière qui est en toi. C'est pour ça qu'il essaie de te distraire, parce qu'il sait que si tu devenais prêtre, tu vas en finir avec lui. Tu comprends, mon fils? Ne t'égare pas du droit chemin, le diable est rusé. Tu peux répéter? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Maman, je peux devenir tout ce que tu viens de dire sans être prêtre. Hein? C'est pas possible. Maman, permets-moi d'avoir ma propre famille. Je peux avoir ma propre famille et au même moment servir Dieu. Avoir un ministère et prier pour des gens, tu sais, je peux le faire, je peux devenir un homme de Dieu. Avoir un ministère, c'est différent d'être un prêtre. Être refrain par ses défrants, mon soli, mon soli. Que tu le veux ou pas, tu finiras par devenir prêtre. Bien même. Santos, qu'est-ce que c'est? Santos, qu'est-ce que c'est? J'aimerais te demander, est-ce que Père Mbaka et Ebube Monso t'ont dit qu'il y a bien plus de 4 manières de devenir prêtre? Où est-ce que tu as lu dans un passage biblique où est-ce que Dieu a forcé des gens de le suivre? C'est nulle part dans la Bible. Santos. Pourquoi tu es en train de le forcer? C'est pas parce que je suis resté silencieux depuis tout ce temps que je ne sais pas quoi faire. C'est juste pour le respect que j'ai pour Dieu. Oh. Hein? Santos. Ça je ne peux pas empêcher un enfant que Dieu m'a donné de le servir lui. Mais tu n'as aucun droit de le forcer. Parce que Dieu n'a jamais fait cela. Santos. Tu cries sur moi? Oh non, non, je te pardonne. Parce qu'il suffit seulement de te regarder pour voir que le diable opère en toi. C'est le diable qui est en train de parler. Il a pris possession de ton corps. Mon Santos ne parle pas comme ça. Le diable, tu peux parler. Tiens-toi, je te ferai sortir de là. Il n'y a aucune place pour le diable dans mon corps. Il n'est pas en train de parler à travers moi. Ce n'est pas par le fait que je ne vais pas à l'église tous les jours comme vous, que je n'ai aucune idée de ce que c'est que de devenir un prêtre. Ok. Après tout, j'ai servi le père Frédéric. J'ai servi Mary depuis ma jeunesse. À Enugoziki depuis 5 ans. Je savais que tu allais parler de ça. J'ai aussi servi le bishop Edeji en 1982 à la cathédrale du Saint-Esprit à Enugoziki. Oui, c'est ça. Et j'ai servi le bishop Okoye pendant plusieurs années durant ma jeunesse. Servant. Hein? Continue à aller. Mais tu es toujours là à le forcer. Hein?
Ne force pas mon fils à devenir un prêtre. Je t'en prie. Ah, arrête ça. Laisse-moi te dire, Ekwensu ne réussira pas à gagner ma maison. Le diable ne réussira pas à s'installer dans ma maison. Je vais te délivrer. Et je vais délivrer mes enfants. Et très spécialement le reverend père Steve, qui a déjà sa place au paradis. Je vais le délivrer. Je ne laisserai pas les diables s'approcher de toi, mon fils Steve. Je vais prier et prier. Je mettrai mes genoux à terre. Je ferai toutes sortes de gestes. Je ferai les rosaires. Je prierai jusqu'à ce que tu sois délivré, mon fils. Tu sais quoi, mon fils? Arrête ça. Tu travailleras comme serviteur de Dieu. Les gens viendront vers toi. Bénis-moi, mon père. Bénis-moi. Le diable est un menteur. Le diable ne réussira pas. Il n'a pas de place dans cette famille. Je pense qu'elle devrait être délivrée. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Maman, je ne dois pas devenir forcément un prêtre pour servir Dieu. Tu peux servir Dieu partout où tu es. Oh. Prenons d'abord le cas d'Eberofim Imarua. Tu ne la connais pas? Oh, c'est de ça que tu veux parler? Est-ce qu'elle est une prêtresse? Oh. Est-ce qu'elle est une révérende sœur? Est-ce que c'est une pasteur? Oh. Mais regarde comment elle vit sa vie. Elle a donné son espace aux gens pour les aider à prier. Elle a construit toute une église. C'est différent. C'est pas ton cas. Tu dois devenir prêtre. Tu as déjà ta place au paradis. Oh, maman, désolé. Désolé, maman. Tu je as beaucoup souffre à parlé. Cause de toi. Désolé, maman, bénis-moi, désolé. Mon père. Bénis-moi, j'ai très mal. Oh. J'ai très mal. Reçois la guérison. Amen. Reçois la guérison. Amen. Tu es guéri. Je me sens maintenant bien. Oh, mon Dieu. Tu n'es pas sérieuse, maman. Je viens de prier pour toi. Je ne plaisante pas. Ah. Je vais très mal, mon fils, c'est vrai. En tout cas, tes mains sont bénites, mon fils. Tu m'as guéri. Hey, le diable ne réussira pas à te dérouter. Ma fille, comment tu vas? Je vais bien. J'espère que ton œil évolue bien. Oui, maman. Dieu merci. Moi, j'ai déjà signé le document. Dès que tu seras prête, tu viendras pour ma bénédiction. Je suis là pour toi. Oh? Prends. Maman. Je t'ai déjà dit à l'hôpital, je ne suis plus intéressée à devenir une sœur religieuse. Ces rêves étaient éteints. Je n'ai plus ces ailes en moi. Maintenant, dis-moi, qu'est-ce que tu veux réellement? Maman, comment tu peux me poser cette question, André, que tu ne savais pas ce que je veux? Esther, je ne peux pas avoir Steven. Ça ne sera pas possible. Pas maintenant et même pas pour un jour. Ta sœur a une relation avec lui. Elle est déjà amoureuse de lui. Hein? S'il te plaît, va devenir une révérende sœur. C'est ce que tu avais toujours voulu. Qu'est-ce qui a changé? S'il te plaît, Esther, s'il te plaît, tu vois ce jeune homme, ne le fais pas fuir à cause de ce que tu fais, s'il te plaît. Maman, c'est toi qui me dis ça, maman. Que veux-tu encore que je puisse dire? Hein? Tu as connu cet homme depuis longtemps. Tu ne lui avais jamais dit que j'avais de l'amour pour lui. Et ta sœur l'a fait en une seconde. Elle est tombée amoureuse. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Donc tu veux dire à ta sœur de oublier cet garçon? Juste à cause de toi? Non! Je n'accepterai pas cette bêtise. Jamais! Mère. C'est tous. Que tu as à me dire, vraiment? Tu veux quoi? Et ça, je ne te comprends pas. Tu me rends confuse. Ok, dis-moi.
Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour que tu puisses changer de comportement? Mais tu ne l'avais jamais voulu. Tu ne voulais que t'habiller avec ces habits d'Amaka. Hein? Que veux-tu encore de moi? Non, dis-moi, que veux-tu de moi? Esther, je t'ai apporté des habits sexy pour que tu mettes ton corps en valeur et que tu sois très belle. Mais tu refusais. Que veux-tu encore, s'il te plaît? Hein? Quel est cet homme dans cette génération ici que nous sommes qui acceptera de prendre une fille qui s'habille de cette façon? Personne. Hein? Je te dis personne. Regarde-moi. Ta mère. Je suis toujours dans les temps. Je ne vieillis pas. Parce que si c'est moi, je ferme mes yeux ici. Ces petits rats-là qui sont dans la rue chercheront à me piquer votre papa au nez, me le ravir. Mais moi, je ne le permettrai jamais dans ma vie. Ah ah! Tu dois être vigilante. Ainsi va la vie, ma fille. Alors, que veux-tu encore que je fasse? Esther, dis-moi, ma fille, qu'est-ce que je n'ai pas fait pour toi? Maintenant, écoute. Si tu as toujours voulu être une révérende sœur, laisse ta sœur tranquille. Va et deviens une sœur religieuse. J'ai déjà parlé. C'est ça le document. J'ai peur d'avoir Steven. C'est lui que je... C'est lui que je veux. Je vais vivre avec lui toute ma vie. Ma chère sœur, s'il te plaît, je te prie pardon au nom de Dieu Tout-Puissant. S'il te plaît, laisse Steven pour moi. Il est le seul homme que j'ai connu, le seul que j'aime. S'il te plaît, je te prie pardon au nom de Dieu, laisse pour moi Steven, ma sœur, pardon. Je te prie, pardon. Esther, je ne vais jamais laisser Steven pour toi. Ça, pour aucune raison. Tu sais combien j'ai souffert pour avoir un homme. Dieu a entendu mes cris et il m'a donné Steven. Il m'a récompensé avec Steven après beaucoup de preuves. S'il te plaît, il a décidé de me payer. Je peux pas. Je peux pas laisser Steven pour toi. On n'est même pas supposé avoir cette discussion. C'est juste parce que tu es ma grande sœur que je l'ai accepté. S'il te plaît, je te prie pardon. Tu peux te trouver un autre homme, oui. Et tu as tout ce qu'il faut pour attirer un homme. Ton style, tes manières, la façon dont tu te coiffes et tes maquilles. Et tu as au moins le courage de regarder un homme aux yeux et lui dire que tu l'aimes. S'il te plaît, par où je vais commencer? Tu es plus belle que moi. Tu es très ouverte d'esprit que moi. Regarde-moi, je n'ai pas tout ça. S'il faut aborder un homme, je ne sais même pas par où commencer. Je ne sais pas me tenir. Je n'ai pas un look. Je n'ai pas du tout le courage de le faire ni de commencer une conversation à un homme. Je ne sais pas comment m'y prendre.
À part Steven, je ne me suis pas exposée assez aux hommes. Même à Steven, je n'ai pas pu les regarder droit aux yeux pour lui dire que je l'aimais. C'est toi que je regarde à peine. Tu me regardes droit aux yeux, je te regarde aussi puisque tu es ma sœur, nous nous sommes habitués, pardon. Peu importe ce que tu me demanderas de faire sous ces soleils, dis-le-moi juste, mentionne-les. Je le ferai au nom de tout ce que tu crois. Juste dis-le-moi. Je te prie de laisser Steven pour moi, s'il te plaît. Esther, je n'ai besoin de rien venant de toi. Je ne peux pas quitter Steven pour toi. Pour personne d'autre, pour aucune raison, je ne peux jamais. Tu penses que tu n'es pas en mesure d'avoir une bonne personne juste parce que tu ne le veux pas? Tout ce que tu peux avoir besoin, tu en as dans ton corps. Regarde-toi. Fais-toi belle et tu verras que quelqu'un viendra vers toi. Il y aura toujours un homme qui viendra vers toi. Oui, parce que tu es aussi jolie. Tu perds, tu es innocente et cherche pour toi. S'il te plaît, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas laisser Steven pour qui que ce soit ou encore pour toi. Esther, écoute-moi. Même si notre défunt grand-mère apparaît pour moi pour me dire de laisser Steven pour toi, je lui dirai clairement que je ne le laisserai jamais. Jamais. Maman, maman, s'il te plaît, aide-moi à supplier Naomi de laisser Steven. Steven pour moi, pardon. Ah, je ne comprends pas. Comment? Je veux dire, maman, pourquoi? Il est le seul que j'aime. Hein? Il est qui? C'est lui que tu aimes? Hey. La révérende sœur est amoureuse. Nem, ça veut dire quoi? L'amour. Hey. Ewa, ewa. Ok, laisse-moi te dire. Comment tu peux t'attendre à ce que je puisse dire à ta sœur de laisser Steven pour toi? Un homme dont je pense que je ne saurais même pas gérer. Oh non, Esther, veux-tu que je perde mes qualités? Hein? Maman, c'est tout ce que tu me dis. Esther, que veux-tu encore que je puisse dire? Dis-moi, ma fille. C'est vrai que c'est l'amour. Oh. Regarde tes yeux. Mais comment es-tu arrivée jusqu'à ce point, ma fille? Hein? Hein? Hey, laisse ça. Je n'en reviens pas. Oh. Tu es amoureuse. Mba, calme-toi, ma fille, s'il te plaît. Tu calmes, je t'en prie. Tu calmes. Je n'imaginais pas ça. Et où? Ah ah. Angie, baby. Où es-tu? Ma très chère copine. Sois la bienvenue. Comment tu vas? Comment? Quelles sont les nouvelles? Je t'ai apporté un truc. Tu m'amènes quoi? Mais je veux un très beau modèle. Quand je dis un très beau, tu comprends très bien. Hein? Ma fille se marie très bientôt. Hein? Tu comprends, non? Hein? Je veux un modèle très chic. Tu as dit quoi? Ma soeur, oui. Yo. Ma fille se marie bientôt. Très, très bientôt. Hein? Félicitations! merci. Elle se marie très bientôt. Eh ben t'inquiète, hein? Tu seras vraiment parmi les gens qui seront invités. C'est vrai ça? Tu refuses d'être invité? Ma chérie! Tu es parmi les femmes que je considère le plus dans cette communauté. Oh. Hein? Mouam. Arrête ça! Bien sûr que oui, ma chérie. Pourquoi pas? Félicitations! Merci, ma sœur. Maintenant dis-moi, qui entre tes filles va se marier? Et à qui? Quand? Où? Et comment ça va se passer? Calme-toi, s'il te plaît. Maîtrise. Oh, réponds-moi. Vas-y, parle, je t'écoute. C'est ma deuxième fille. Oui, explique. Ma deuxième fille, Naomi. Mm-hmm. Elle se marie à un bel homme. Beau et riche. Es-tu sérieux? Steven?
C'est celui que je connais. Ah, je ne sais pas. De qui parles-tu? L'ex-séminariste. Mam, tu as très bien tapé. Tu es intelligente. C'est vraiment ça. Oui. Il va se marier à ma fille. Ce bon garçon que tu connais. Le fils à la Vierge Marie. Le bel homme. C'est arrivé comme dans l'espace. Bam, 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 bam. Ce garçon est très exceptionnel. Il est vraiment très exceptionnel. Regarde ce qu'il nous réserve le destin. Hé, ma chère, je suis très contente pour ma fille. Oh. Elle doit s'attacher à son destin. Regarde la vie, ma sœur. Elle ne sait qu'étonner le monde. Je te dis, ma sœur, tu vas me voir ces jours-là. Hein? Je serai sans concurrente, ma chère. Ça sera du Neko. Neko. Neko, ma sœur, je te dis. Tu verras. Je vois que tu es contente, hein? Ça te fait vraiment plaisir. Hey, je te dis, c'est pas un problème. Tu seras là toute heureuse. Tu vas faire des fières. Des fières. Ah bon, c'est ça. Je te dis, Neko, Angie, quel genre d'homme rempli de matériel? Je te dis, ma chérie, c'est terrible. Avec 1,5, bam, même 2 millions. Ah, je te dis, ça sera du show, ma chérie. Angie, franchement, ça me fait très bien au cœur, je te dis. Quand je regarde ma fille, ah non, elle va se marier très bientôt avec son homme. Je te dis, ça me fait tellement du bien au cœur, ma chérie. Hey, je te dis, oh, ma chérie. Ah, je sais, comme je le disais auparavant, quelque chose de très classe va bientôt arriver, ma chérie. Bien sûr. Dis, ça me fait de la joie. Je regarde, ma chérie. Angie, bébé, tu ne manqueras pas dans cette fête. Tu seras mon invité d'honneur. Prélève les mesures, vas-y. Hey, je suis heureuse. Ma chère copine. Hey, donne-moi les dos. Oui. Tourne encore. Fais un très beau modèle. Oui. Un instant, j'ouvre pour toi le portail. Salut. Salut. Bon après-midi. Bon après-midi. Bon après-midi. Je m'appelle Esther. Je suis l'amie de Steven. J'ai appris que Steven cohabitait ici avec toi. Oui. Mais il n'est pas à la maison à cet instant. Il était un peu sorti. Excusez mes manières, mon nom est Stanley. Je suis son frère. Oh, ok. Oui. Ravie de vous rencontrer. Je vous en prie, venez à l'intérieur comme ça, je vais l'appeler. Oh, c'est vraiment... Non, 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 nous allons attendre ici dehors, ok. C'est bon. Hein? Vous ne devez pas faire ça, d'accord? Venez à l'intérieur, s'il vous plaît. Non, ça va, on peut rester ici. Est-ce que vous pouvez l'appeler au téléphone pour lui dire que je suis venue le voir et que je l'appelais depuis? Il ne prend pas son téléphone. D'accord. Je le ferai. Mais j'insiste, venez dans la maison. Attendez-les, il revient très bientôt. Il insiste, Esther. Pourquoi refuser? Sois gentille. Non, 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 merci. D'accord. Je vais l'appeler. C'est bon? S'il vous plaît, c'est interdit de se tenir debout devant les portails. Ah, ok. Mais qu'est-ce que... Arrête de faire ça, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Qu'est-ce que tu penses faire? C'est si confortable pour toi d'être debout. Ne restez pas là-bas, éloignez-vous de là. Ne venez pas déranger mon travail. Déplacez-vous c'est de quoi, là. C'est quoi ton problème? Tu ne peux que t'en aller. Tu penses vraiment que c'est confortable d'être debout? Je te pose la question, penses-tu que c'est confortable d'être ici? On peut rester ici, non, attends. Mais quoi, nous devrions entrer à l'intérieur. On pouvait même entrer à l'intérieur et regarder la télé. Et même prendre des jus, regarder CNN, regarder des films, regarder des dessins animés et même des informations. Mais tu as refusé et tu penses que nous sommes confortables ici? Toi vraiment, hein? Et tu voulais que je pense même à quoi? Tu n'aimes pas des belles choses. Je vois que tu n'aimes pas des belles choses dans ta vie. Tu n'aimes pas ça. Oh, désolée. Ne pense même pas de t'asseoir là, n'as-tu pas honte? Je ne peux pas attendre un truc pareil et rester calme. Il faut qu'elle écoute ça. Oui, elle doit savoir tout ce qui se passe tout autour de son fils parce qu'elle veut que son fils fasse autre chose. Je ne peux pas garder ça pour moi seule.
et d'entendre ça. Dois-je m'arrêter ou je dois continuer? Je vais l'informer. Il faut que je lui dise. Oh, reviens là. Qu'est-ce qui ne va pas? Je pense que tu étais dans un rêve. Reviens là. Oh. Oh. Désolé, je l'ai appelé et il a dit qu'il a eu une urgence au bureau. Il ne va pas rentrer aujourd'hui. Stephen a maintenant un job. Oui. Alors, lorsque vous serez prête, je pourrai vous accompagner. Ah, non, ça va. N'est-ce pas? N'est-ce pas quoi? Plaisant, j'espère. Nous n'allons pas bien, Esta. C'en est assez. Tu ne peux pas voir, j'en ai marre de tes mensonges. Rien ne va. Ujuku, arrête de me pousser, laisse-moi dire la vérité. Si je dis la vérité, je ne mourrai pas. Grand frère, rien ne va. D'ailleurs, laisse-moi être direct. Nous venons du village, de chez elle, vers la jonction d'Oje, vers Okada. J'ai utilisé la petite somme qui me restait. Cependant, sur cette même route, tu peux poser la question. Nous avons marché de là jusqu'ici. Comment irions-nous bien, grand frère? Oh, ne me provoque pas. Nous n'allons pas bien. Irions-nous bien avec ce genre de choses? Pas du tout. S'il vous plaît, si vous avez de l'argent, donne-le-nous. Si vous n'en avez pas, mets-nous dans votre voiture et conduis-nous au village. Par là, nous irons bien. Ne dis rien. Maintenant, j'en finirai avec toi. Esther, calme-toi, d'accord? Je vais vous aider avec un peu d'argent. D'accord, je vais vous donner un peu d'argent. Je peux vous aider avec un peu d'argent. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Je crois que tout ira bien. Que maman Marie vous bénisse aussi. Merci. Merci beaucoup, nous devons partir. Bye. Nous partons. Attends. Ngozi, es-tu sûre de ce que tu me dis? Je te dis rien que la vérité. Et d'ailleurs, elle m'a demandé de bien coudre son habit. Je suis en train de coudre son habit. Que le Seigneur soit avec toi. Laisse que Dieu, le Père et le Fils restent près de toi. Regarde, Sœur Marie, tu dois réagir le plus vite possible. Tu dois faire quelque chose afin que ton fils ne se marie sans te dire. Qui sait si cela a été déjà fait? Donc c'est Suzanne et ses enfants qui sont en train de me faire oui, ça. Oui, oh. J'ai juste écouté la nouvelle et je décidais de venir te les dire. Parce que je ne suis pas contente de ça. Ton fils doit devenir prêtre, c'est ça ton souhait. Hey! Nem. Rentre à la maison, va te reposer. Je vais m'occuper de ça. Tu me demandes de rentrer chez moi? Tu n'as pas besoin de mon assistance? Quand j'aurai besoin de ton assistance, je t'appellerai. Hein? Mais pour l'instant, pars. C'est pas grave. Je sais quoi faire. C'est pas grave. Ok, je vais partir. Mais si tu as besoin de moi, n'hésite pas de m'appeler. Oh. Quoi? Je t'en prie, pars. Prends soin de toi. Suzanne. Suzanne, tu l'aurais voulu. Il y aura du feu. Tu verras mon vrai visage. C'est pas grave. Onye gurumo nunu gadanye, gadanye. Onye gurumo nunu gadanye, olumi bumbochi. Onye gurumo nunu gadanye, oh gadanye. Ndi gurumo nunu gadanye, olumi bumbochi. Ndi gurumo nunu gadanye, agadanye. Ndi gurumo nunu hag, olumi bumbochi. Ndi gurumo nunu gadanye. Que signifie cette bêtise ici? Qu'est-ce que ceci signifie? C'est pourquoi ça? Oh! Sainte Marie, la mère des opprimés, la voix des sans-voix, la mère des rosaires pleines de grâce, pourquoi peux-tu m'abandonner comme ça?
Vierge Marie, pourquoi peux-tu croiser les bras et laisser ces méchants dérouter une personne choisie, une personne destinée à devenir prêtre? Pourquoi? Maman, s'il te plaît, faut pas te confronter avec elle. Je t'en supplie, mère de grâce. Elle va partir. Sauf ça veut dire quoi, ça? Devait-elle mettre son hôtel dans ma parcelle? C'est quelle bêtise, ça? Calme-toi, s'il te plaît. J'ai aidé ton fils, Seigneur Jésus. Ils sont en train de le distraire pour qu'il n'atteigne pas ses objectifs. Vierge Marie, je n'ai que toi. Je t'en conjure, s'il te plaît. Intercède pour mon fils auprès de notre Seigneur Jésus pour qu'il les délivre entre les griffes de ces méchantes femmes. Je n'ai personne d'autre. Elles sont très méchantes, ma mère. Je ne suis pas leur apparence. Ma mère, je sais que si tu t'impliques dans ton problème, il y aura si tu parles, s'il te plaît. Tous ces gens qui cherchent à gâcher la vie de mon fils, je t'en prie, ma mère, avec des idées diaboliques, détruis-le. C'est pour ça que le corps de mon fils et le temple du Saint-Esprit. Emmène son hôtel ici. Il va se brûler. Non, c'est bon pour toi. Cherche à dérouter mon fils. Oh, ma mère, délivre mon fils. Tel que je continue avec mes 9 jours de prière, tel que je continue avec ma neuvaine, je sais comment je vais finir. Ces femmes, ces méchantes femmes n'auront plus de paix. Dieu va s'occuper d'elles. Tu entends ces mots? Si elles continuent encore avec cette folie ici. Maman, elle prie. Elle n'est pas folle. Oh, elle prie? Et elle doit le faire devant mon portail. C'est ça? Maman, c'est juste une prière de paix. Une prière de paix? Une prière de paix ne peut pas le faire dans sa maison. Elle vient le faire chez moi. Maman, s'il te plaît. Laisse-la, je suis. Je ne peux pas accepter cette petite ici. Je ne peux jamais l'accorder. Maman, as-tu entendu? Maman, faut pas chercher des troubles. Non. Je ne vais pas t'écouter. Maman, je ne vais pas me chercher. Je veux finir sa folie aujourd'hui. Tu ne peux jamais que je laisse ce genre de cacher la vie. Jamais. Oh, Vierge Marie, qu'est-ce que cette prière de mon fils auprès de ton fils, Seigneur Jésus? Maman, s'il te plaît. Oh, pour qu'il envoie ses anges délivrer mon fils entre les griffes de ses sorcières. Pour qu'il envoie très particulièrement l'ange Michael, les vaillants guerriers. Amaram nigeme kobi de mama. Amaram nigeme kobi de mama. Amaram nigeme kobi de mama. Hey! Maman, s'il te plaît! Maman, Rosy! Maman, ne fais pas ça! S'il te plaît, maman, arrive! Maman, s'il te plaît! C'est quelle bêtise ça, non? T'as pas honte? Mais viens! C'est quelle bêtise ça? Juste, n'aie pas cette ligne si tu es une femme. Tu dis quoi? Tu vas envoûter mon fils des sorcières. N'aie pas cette ligne. Viens ici. Et tu ne veux pas lâcher ça. Lâche ça vite. Viens, je suis là, je t'attends. Vas-y, je lâche pour toi. Lâche! Viens si tu es une femme. Allez, c'est vrai que tu vas avec ce bouton entre les mains. Non! Oh! Lâche-moi! Viens, je suis encore ici, non? Viens, pourquoi je suis tout fouille? Reste avec des instruments. Approche, je suis là. S'il te plaît, bébé. Tu dois vraiment lui parler, spécialement sur ce qu'elle a fait dans notre maison. Prier tous les jours, asperger de l'eau et l'huile d'olive. Elle agit comme si moi, je l'avais fait du mal ou quelqu'un de ma famille. Bébé, ça ne nous arrange pas du tout. Bébé, je suis désolée de ça, ok? Ma mère est capable de faire tout ce que tu viens de dire. Mais je suis heureux comme vous l'avez apaisé, ok? Je vais lui parler, d'accord? Elle va arrêter quand je vais encore finir de parler avec elle. Merci, bébé. Ok? Oui, merci. C'est bien. Dis-moi, qu'est-ce que tu as mangé aujourd'hui? J'ai beaucoup mangé, mais il n'y a rien qui dépasse ta nourriture. Je sais, je peux l'imaginer. Ne t'inquiète pas, je vais aller à l'intérieur, voir qu'est-ce qu'il y a dans la cuisine et je vais te faire quelque chose de délicieux. S'il te plaît, file, ma chérie, je suis impatient d'attendre. Très bien. Tu es vraiment très belle, ma chérie. Tu es très bon. Tu es vraiment bon. Ok, si tu as besoin de mon aide, appelle-moi, ok? J'ai pas besoin de ton aide. Es-tu sûre? Ça, c'est quel genre de problème? Qui est cette personne qui peut s'étenir devant la parcelle d'autrui, aspergeant l'eau bénite et l'huile d'olive, sans même être invité? Hein? Pourquoi faire des choses pareilles? C'est quoi ça? Il y a un problème. Il y a vraiment un problème.
Tu me dis que tu étais en train de faire les services de la neuvaine devant la parcelle d'autrui. Pourquoi? Tu me demandes pourquoi? Pour te délivrer de leurs griffes. Tu me demandes pourquoi? Mon fils, je dois finir mes 9 jours de prière. Mais si jamais je finis et que tu n'es pas toujours délivré, je vais encore recommencer. Et je n'arrêterai pas là. J'emmènerai le dossier à la cour. Je ne croiserai pas le bras, crois-moi. Maman, maman, je t'en supplie au nom de Dieu. Maman, je t'en supplie au nom de Dieu. Je ne deviendrai jamais prêtre. Hein? Oui, je ne vais pas devenir une disgrâce pour le couvent. Devenir un prêtre et commencer à changer les femmes au couvent. Aujourd'hui, je suis avec l'une. Aujourd'hui, je suis avec l'une. Demain, je change, je prends une autre. Ferme-la. C'est ça? Les gens doivent commencer à venir confesser chez toi. Hé! Hey, oui! Maman? Hein? Non, 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 maman. Je ne peux pas le faire et je ne vais pas devenir ce genre de prêtre. Je ne veux pas. Laisse-moi continuer avec la vie que j'ai choisie. Ça ne sera pas possible. Parce que tu as été choisi. La bonne nouvelle est que je sais maintenant où se trouve le nez du problème. Et je vais résoudre cela avec la prière, que tu le veuilles ou pas. De prières intenses de combat. Tu comprends cela? Je sais que j'ai un Dieu qui se tient toujours à côté de moi, qui est là pour exaucer mes prières. Quand je vais finir, tu vas comprendre que j'ai un Dieu qui n'échoue jamais. Tu me comprends? I have a God who never fails. I have a God who never fails. I have a God who never fails. He never fails. He never fails. Forevermore. Amen. Jesus. Tape les mains. Allez, qu'est-ce que tu attends? Vas-y, chante avec moi. Es-tu fou? Chante. Maman, réveille-toi de ces rêves. Réveille-toi de ces rêves. Mon père. Je ne deviendrai jamais un révérend père. Père. Non, maman. Tu seras un pas du tout, père. Maman. Tu as intérêt à faire ce que je te demande. Ça ne marchera jamais. Le diable ne réussira pas avec ses plans. Ok. Tu dois repartir au maman, séminaire. Ok, je deviendrai un révérend père. Dans ce cas, je vais te castrer. Je le deviendrai et castré. Je vais disgracier toute la famille. J'engrosserai toutes les filles de ce village, tu même celles de la ville, y compris celles du couvent. Tu seras castré. Aïe. Tu seras castré. D'ailleurs, j'enlèverai tout entre tes jambes. Il ne restera plus rien. Il ne restera que des trous comme c'est du narine. Parions. Allez, tape là. Non, maman. Parions si tu es un homme. Maman, ne dis pas ça. Tu deviendras père. Tu seras un prêtre. Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais d'où t'est venue cette idée? Le diable ne réussira pas. Qu'est-ce que tu crois? Dieu t'a choisi depuis mon ventre. Je suis là. Je verrai comment est-ce que tu vas sortir avec les femmes. Je vais te castrer. Essaye pour voir. Parions. Je suis là. Allez, vas-y. De quoi est-ce que tu as peur? Vas-y, maman, avec notre femme. Maman, je suis là. Maman, laisse-moi. Esther, tu ne vas pas le comprendre. Steven. Steven, s'il te plaît. S'il te plaît, Steven. Je ne saurais vivre sans toi. Je ne saurais passer les restants de ma vie avec une autre personne, si ce n'est toi. Je sais que tu aimes énormément ma sœur, oui. Je le sais. J'accepte d'être une deuxième femme pour toi. Je suis prête à vivre avec toi, peu importe les conditions. Je suis là. Je te veux, s'il te plaît. Tu es le seul homme que j'ai rêvé toute ma vie. Tu es le seul homme avec qui je me sens à l'aise. Je me sens confortable. Je te prie, pardon. Steven, je vais être avec toi. Pardon, je vais être même une deuxième femme. Ne me rejette pas, s'il te plaît. Ne me largue pas. Oh. Esther. Pardon, je n'ai pas eu le courage de te dire mes sentiments. Esther, 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 plaît, Esther, pardon. Écoute-moi. Écoute-moi, je ne veux pas que tu fasses quelque chose que tu aies rêvé et planifié depuis très longtemps avec moi. D'accord? Je pense t'avoir dit que je me suis déjà engagé. J'ai beaucoup d'occupations. Il y a de ces gens qui viennent me chercher avec leurs problèmes, on sort avec eux. Laisse-moi un peu le temps de continuer avec ça. Je ne vais pas devenir un objet, tu sais. Je ne vais pas te mettre dans une situation qui peut faire à ce que tu sois hors du couvent. Je ne veux pas à ce que tu ne réalises pas ton rêve de devenir une révérende sœur. Je veux que tu sois ce que tu veux. Laisse-moi faire ma vie, laisse-moi. Écoute, laisse-moi te dire la vérité. La vérité est que je ne veux pas que tu épouses un homme comme moi. Oui. Je vais épouser une femme qui a plus ou moins de la connaissance, qui est un peu supposée au monde, celle qui peut distinguer les bien à faire et les mal à ne pas faire, celle qui est capable de me diriger et me faire entrer dans le monde pour me montrer comment ça existe. Hein? Pardon. Alors, Esther, Esther, écoute, tu dois quand même me comprendre, Esther. Tu comprends? Pardon, laisse-moi. Écoute-moi, écoute, poursuis ton rêve.
deviens cette révérende sœur que tu cherchais à devenir. D'accord? Laisse-moi continuer à vivre ma vie telle qu'elle est. J'ai beaucoup de choses à faire dans ma tête, pardon. Je n'ai pas le temps pour ça. Je ne suis pas là pour ça. Tu veux avoir une femme qui est ouverte au monde. Je te promets que je vais apprendre comment on utilise WhatsApp, le maquillage, comment s'habiller, tout ça. Je vais apprendre, s'il te plaît, pour toi. Je ferai tout. Esther? Esther, s'il te plaît, Esther, ne pleure pas. Non, ça ne me fait pas bien quand tu pleures. Non, non. Quand tu pleures, ça donne l'impression comme si je t'ai poignardé. Non, ce n'est pas bien, je n'aime pas ça. Ça donne l'impression comme si je t'ai fait du mal. Est-ce que moi je peux te faire du mal? Hein? Ce qui nous réunissait, c'était les affaires de l'église. À part cela, il n'y a rien d'autre. Non, laisse-moi, j'ai déjà pris un autre engagement. D'accord? J'ai une femme que j'aime. Et bientôt, je vais me proposer à lui. C'est Naomi, tu la connais? Oui, elle a la connaissance de tous les réseaux. Elle a déjà les mondes dans ses mains. Je t'en supplie de me laisser. Esther, Esther, je te conseille de laisser ces problèmes. Écoute, Esther, tu ne vas pas comprendre. Esther, Esther, laisse ces problèmes. Esther, 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 écoute, hein? Écoute, essaie un peu de me comprendre. Laisse-moi calme. Steven, touche, Esther, touche mon sein, c'est la même chose. Mais je n'ai jamais fait le sexe avant. Hey. On peut commencer à le faire avec toi. Je te le promets. Esther, je ne veux pas refuser. Non, 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 non. Esther, Esther, ça c'est l'œuvre du démon. Esther, laisse-moi te dire que tu es animé de mauvais esprit. La Bible dit, soyez vigilants et priez pour que vous ne soyez pas tentés par le diable. Parce que le corps est faible, mais l'esprit est disposé. Je sais que c'est l'esprit du malin qui t'anime. La Bible le dit clairement que la chair est faible, mais laisse que l'esprit te guide, d'accord? Permets à l'esprit puissant de te guider vers, afin que tu deviennes la révérende sœur que tu as toujours voulu. J'ai tout dit. Écoute, laisse-moi où? Laisse-moi me fixer sur ma croix. J'ai ma propre croix à suivre. Écoute, laisse-la moi porter. Je ne vais pas te dérouter. Écoute, je me suis déjà décidé. S'il s'agit d'aller en enfer, laisse-moi y aller. Va-t'en de chez moi parce que j'ai déjà pris la décision de ma vie. S'il te plaît, vas-y faire ta vie. Ah, ah. C'est aussi simple que ça. Mon Dieu, je suis arrivé au bout. Je suis fini. Steven. Esther. Je savais depuis longtemps que tu l'aimais. Raison pour laquelle tu voulais devenir révérende sœur. Alors tu serais à ses côtés, même s'il devenait prêtre. Je ne veux pas perdre mon temps pour te dire la vérité, mais tu me qualifies toujours de menteuse. De toutes les façons, ce n'est plus le moment de commencer à blâmer. C'est maintenant dans le passé. Mais je suis ton amie et je te dirai la vérité. Steven ne te prendra jamais comme sa femme. Regarde-toi. Oui! Comment peux-tu t'attendre à ce qu'il te regarde de la manière dont tu t'habilles? Tu n'es pas présentable. Tu ne le sais pas. Hein? Cet homme que tu vois vient du séminaire. Il en a marre de voir des filles comme toi. Il en a marre de te voir de la même manière. Il veut voir de nouvelles choses. Il a besoin de voir des choses qui feront qu'il se sente homme. Est-ce que tu comprends ça? Ne pense pas qu'il posera ses yeux sur une personne comme toi. Laisse-moi te dire, Esther, le moment est venu que tu prennes soin de toi-même.
Il faut que tu changes de lait de beauté, que tu mettes un peu de make-up et avoir de vêtements sexy. Alors il pourra te regarder. Est-ce que tu comprends cela? Qu'est-ce que tu me proposes de faire dans ce cas? C'est une guerre. Il est temps pour toi de voir cela dans cette perspective, si tu veux gagner. Si seulement tu le fais, tu verras comment il va courir tcha-tcha-tcha-tcha vers toi. Ah ah ah! Comment tu connais toutes ces choses? J'ai cru que nous servions toute la Sainte Marie. Où est-ce que tu connais ça? Mais oui oh! J'ai servi la Sainte Marie, mais cela ne m'a pas du tout empêché d'être à la page. Je connais beaucoup de choses. Je sais comment manipuler et emballer. Tu comprends ça? Je sais tout. Oublie que je t'en ai pas en parlé. Attends, je te dis un secret. J'ai déjà fait l'amour. Tu ne savais pas. Tu comprends, c'est juste un petit truc. Vraiment, je ne pensais pas que tu étais si naïve comme ça. C'est le cas. Tu dois d'abord te préparer toi-même. Arrange-toi. D'ailleurs, tu dois avoir un compte réseau social. Tu dois ouvrir WhatsApp, ouvrir Facebook, même Instagram. Et là, tu mettras des photos qui te mettent vraiment en valeur pour que lorsqu'il les verra, il posera directement ses yeux sur toi. C'est tout ce que je dois donc apprendre à faire. Et au cas où j'apprenais tout ceci, il ne change pas d'avis, qu'est-ce qui arriverait? S'il ne change pas ses idées, tu feras comme ceci. Regarde, soulève-le comme ça. Il changera ses idées. D'ailleurs, s'il ne change pas, ne m'adresse plus la parole. C'est ce que Louza est en train de te dire. C'est de cette manière. Esta, réveille-toi, ne dors pas. Tu l'auras bientôt. Toute chose t'est offerte. Tu as besoin de tout emballer. Arranger, fais-le, et je t'assure qu'il sera à toi. Tu n'as pas d'autre option que de laisser ta sœur puisse la voir. Ne vois-tu pas que ta sœur n'est même pas bonne? Ne sais-tu pas que tu es plus jolie qu'elle? D'ailleurs, tu es la plus jolie de tout le village. Si seulement tu prenais soin de toi, et que tu te mettais en valeur, hein? Et tu t'habilles bien, ha! Quel séminariste! Peux-tu oublier le séminaire? Il te suivra partout. Est-ce que tu comprends ça? Oui! Oui. Ok. Je sais. Ave. Ave Maria. Ave. Ave Maria. Esther, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Hein? C'est quoi ton problème? C'est toi mon problème, lâche-moi! Sainte Marie, je t'invoque, s'il te plaît. Ton fils a dit dans le livre de Matthieu, chapitre 7, verset 7. Demandez, on vous donnera. Frappez, on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Chère Sainte Marie, je t'invoque en ces moments. Dis à ton fils de délivrer ma sœur de ces démons qui la possèdent, puisque je sais que ça, ce n'est plus ma sœur. Ces démons qui ne permettent pas à ma sœur de laisser mon homme pour moi. Je te chasse au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Libère-la. Parle à ton fils. Supplie-le. Je t'avais demandé Steven. Il m'a donné un séminariste. Je viens encore te le demander, chère Sainte Marie, s'il te plaît. Dis à ton fils que j'ai encore besoin de Steven. Retourne-moi l'amour de ma vie. Je veux que l'amour de ma vie me revienne. Oh! Le feu du Saint-Esprit. Maman. Que le feu du Saint-Esprit descende sur ses corps, sur ma sœur, et que ma sœur soit délivrée. Maman. Qu'elle me laisse mon homme. Soit délivrée au nom de Jésus. Maman ne te sauvera pas aujourd'hui. Oh. Maman ne te sauvera pas aujourd'hui. Oh. Que le feu du Saint-Esprit te délivre. J'ai brisé cet esprit qui te pousse à me ravir mon homme. Je le brise. Maman. Je l'anéantis. Sois délivrée. Sois délivrée. Tu vas me laisser mon homme. C'est quoi ça? Je te délivre. Allez, je te oins de l'onction de l'esprit. Sois délivrée. Sois délivrée. Oh, attends, non, je viens juste de commencer.
Attends, attends que je regarde un peu. Pourquoi? Non, pas comme ça. Non, la Sainte Marie ne sera pas du tout d'accord. Elle ne sera pas du tout contente de moi. Mais Esther, qu'est-ce que ça signifie? Ne veux-tu pas être belle? Écoute, relax, oh. Nous sommes en train de cibler le cœur de Sémi. Tu comprends ça? Nous devons conquérir le cœur de Sémi. C'est ça le duel. Alors sois calme, laisse-moi te maquiller. Ne vois-tu pas ce que ta sœur fait souvent? Alors n'ose pas m'énerver, oh. Sinon je te laisserai comme ça. Je m'en irai en laissant ton visage comme ça. Et il ne va plus te regarder encore. Allez, arrête, s'il te plaît. Tu sais, il y a des gens qui payent pour qu'on leur fasse ceci, mais toi, on te le fait gratuitement et tu te plains. Oh non, je ne me plains pas. Calme-toi, qu'est-ce qu'il y a? Chimo. Qu'est-ce qu'il y a? C'est des trop... Tu ressembles à un poulet. Oh, Esther, je n'aime pas ce que tu fais. Tu fatigues mes mains. Qu'est-ce que tu es en train de dire? C'est un fond de teint. Si on estompe ceci, on va encore ajouter un autre concealer. Arrange-toi. Tu vas aimer ce que je fais. Calme-toi. Et quand j'aurai fini, tu ne seras même pas capable de te reconnaître. Tu verras par toi-même que cette nouvelle idée fera que les hommes puissent tomber amoureux de toi. Je ne te comprends pas, hein? On est en train de prendre soin de ton joli visage pour aller voir Sémi. Sémi qui veut voir une jolie femme. C'est avec un visage de vieille que tu allais lui rendre visite. Calme-toi, oh, laisse-moi terminer. Oh, ce n'est pas encore fini. Oh. C'est bon. Qu'est-ce qui est bon? Ce n'est pas bon. Laisse-moi d'abord estomper le reste. Sinon, ça ne sera pas bon. Hey, oh. Chimo. Pourquoi? Ne me suis pas. C'est bon, je sais ce que je veux faire, t'inquiète. Je te rappelle après. Ok, merci. Maman, je sors. Hey! Qu'est-ce que c'est? Oman et Cham! Mon Range Rover! Ma boule de joie! Ma jolie fille! Maman, arrête! Et ma fille! Néo, qui t'a maquillée? C'est mon amie Rose qui m'a maquillée. Que Dieu la bénisse pour moi! Ah, tu es toute belle. Une totale transformation. Je t'avais dit. Je t'avais dit. Hey. Tu es toute belle. Alors dis-moi, où est-ce que tu vas? Je vais aller voir un ami. Si je finis à temps, je vais rentrer. Mais si je ne le trouve pas, je vais rentrer demain. Oh, t'inquiète, tu peux rester. Si seulement tu vois qu'il s'est fait tard. C'est bon. D'accord, maman. Tu as ma permission. Tu peux aller, ma fille. Je sais que tu es toute belle. Mais je ne t'ai jamais vue avec une tenue pareille. Ça te va bien, non? Hey, tu es jolie comme ma fille. Tu es toute belle, je te maman. Dis. Je suis très contente. Je suis contente pour toi. Oh. Tu es très, très belle, ma fille. Hey, tu vas gagner le marché. Oh. Merci, maman. D'accord, vas-y, c'est bon. Chance. Vous êtes trop derrière les dents. Quelle jolie demoiselle. Hey! Mon Dieu. Oh. Seigneur, aide-moi. Oh. Regardez. Esther, tu as perdu du temps. Oh. Hey, regardez. Elle est toute belle. Hey, ma jolie fille Esther. Hein?
qui est là? Salut, Stanley. Salut. Honnêtement, tu es totalement très belle. Merci. S'il te plaît, est-ce que Steve est là? Oh, Steven. Tu n'es pas au courant? Il vient tout juste d'engager ta sœur et alors ils sont sortis pour célébrer. Oui, oui. Est-ce que c'est seulement l'esprit qui t'a conduit ici? Steven a fait quoi? Hein? Il s'est engagé à ta sœur. N'es-tu pas au courant? Est-ce que tu vas bien? Esther? Esther, pourquoi ne pas entrer et te détendre pour quelques minutes? Esther? Esther? Maman, tu sais, je faillis m'évanouir quand il s'est mis à genoux. Et a sorti la bague de sa poche et m'a demandé de l'épouser. Maman, fallait voir comment j'avais crié. J'imagine. Il a promis de venir vous voir, toi et papa, la semaine prochaine. Je suis impatiente de le voir. Je sais. Je suis très contente pour toi. Merci, maman. Une bague pour toi. Mm-hmm. Hey! Laisse-moi te rappeler, au cas où tu as oublié. Quoi? Tombe enceinte de lui. Tu dis quoi? Qu'est-ce que tu n'as pas entendu? Tomber enceinte. Bien sûr que tu m'as entendu. Tombe enceinte. Dis-moi, est-ce une ovulation? Maman, ovula. Ovulation? Maman, pourquoi tu me poses cette question? Je veux savoir, s'il te plaît. C'est très important dans des moments pareils. Ah! La grossesse, c'est la seule chose qui apaisera sa mère. C'est ça, oh. C'est la vérité. Tu dois vraiment faire ça, ma fille. C'est pour ton bien. Hein? C'est ce que tu dois faire. Ma fille, tu dois comprendre certaines choses. C'est si simple. Tu dois vraiment faire ça. Maman, toi. Tu sais quoi? Tu dois faire ceci. Hey. Tu peux séduire un homme, ma fille. Tu es capable. Je le sais très bien, ma fille. Sois vigilante. Je n'ai pas de doute pour toi. Tu as tous mes encouragements. Tu peux aller, ma fille. Maintenant, tu as parlé. Peu importe. Attendons un peu ta sœur. Peut-être qu'elle rentrera aussi engagée. Avec qui? Avec celui qui est allé voir, non? Elle était habillée très sexy. Maman? Esther? Habillé sexy pour aller où? C'est une question. Je ne sais pas où. Je devais la voir. Elle était très chaude. Quand je dis très chaude, plus que toi. C'est plus que toi. Maman. Désolée. Pardonne-moi. Vous êtes tous les deux chaudes. Je sais. Tu es chaude et sexy. Ce sont vos qualités. Okay. Je vous connais. Telle mère, telle fille. J'aime ma bague. Je vous fais confiance, mes filles. Je vous connais très bien. Maman. Je me sens très bien, moi. Ah oui. Mon cher. Elle s'est recouverte de larmes lorsque je lui ai dit que tu étais allé t'amuser avec sa sœur et que tu t'es engagé à elle. Elle pleurait pourquoi? Je devais plutôt te demander. Pourquoi, non? Mais, mon cher, il fallait que tu voies cette fille aujourd'hui. Hé, le bon Dieu. Il fallait au moins que tu voies comment elle était sexy et très très belle sous ses habits. Cette fille est très belle. Elle est
très, 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 très belle. Tu parles de qui? Esther, non? Esther. Je la connais, elle a déjà été ici une fois, mais je la connais. Esther vêtue en robe sexy. Ah, alors je ne sais pas celle que tu avais vue. De toute façon, mon frère, celle-là, ce n'était pas Esther. Bien, je pense que vraiment tu la confonds. Confondre. C'était elle. Mais je l'ai bien vue, je l'ai vue de mes propres yeux alors. Tu parles à quelqu'un qui a longtemps vécu à l'étranger pour que tu le qualifies de cette manière. Je sais très bien ce que je veux dire quand je dis sexy et quand elle est naturellement belle. On cherche vue de femme. Brune, sombre, longue, courte, avec de longs cheveux, de courts cheveux, de plusieurs sortes. Cette fille est très très belle. Ah. Mon frère, je ne sais pas celle que tu avais vue. De toute façon, je veux un peu me renseigner là-dessus. Mais c'est bien. Parlons des choses sérieuses. C'est qui est? Tu sais que nous devons réfléchir et trouver un moyen pour essayer de convaincre maman pour qu'on aille chez les parents de Naomi. Ah. Bon, je ne sais pas, mais nous devons planifier et faire quelque chose. Nous devons faire quelque chose qui pourrait la pousser à accepter de venir avec nous. On doit aller voir le parent de Naomi. Ça sera une tâche difficile si tu me demandais. Et particulièrement en ce moment où elle est partie prier pour toi au monastère. Qui était allée prier pour moi? Maman? Maman était allée au monastère pour prier pour moi. C'est ce que papa m'a dit, je l'ai contacté et c'est ce qu'il m'a dit. Je ne crois pas. Je ne le crois pas. C'est vraiment impossible. Elle ne peut pas le faire. Qu'est-ce que tu vas faire dans ce cas? Elle est au courant de tout. Elle connaît bien ma fiancée. Elle continue d'aller au monastère prier pour moi afin que je devienne un prêtre. Est-ce que ça se fait par force? Ça ne réussira pas. Elle passe son temps. Ça ne marchera pas. Parce que le Dieu que je sers, les dieux que je connais ne voient pas exaucer une telle prière. Steven, toi et moi savons très bien que toute prière faite sur cette montagne, Dieu la répond toujours. Ce n'est pas du nouveau. Je ne discute pas avec toi ce problème. Je croyais que ça l'était. Mais c'est écrit dans la Bible. Il est dit, cherche, tu trouveras. Hein? Ok. Frappe et la porte sera ouverte pour toi. Frappe, cherche et tu trouveras. Mais et non, qu'une personne autre cherche pour toi ou qu'il frappe la porte à ta place. Alors maman est en train de chercher pour elle-même. Frapper pour elle, chercher pour elle-même. J'ai déjà cherché pour moi-même et Dieu me répondra. D'ailleurs, je suis déjà dans le processus. Elle prie. Moi, je fais ma vie. Elle prie. C'est au moins ça. Elle prie. C'est ce que je peux te dire. Prie. Esther! Esther! Ah ah! Esther, qu'est-ce qu'il y a? Laisse-moi tranquille. Laisse-moi. C'est ta faute. Ne m'appelle pas. Ah ah! Esther! Hein? Esther! Attends. Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Hein? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème? C'est de ta faute. Ah, qu'est-ce qui t'est arrivé? Hein? Vas-y, parle-moi. Stanley, qu'as-tu fait exactement, ma chère fille? Rien. Papa, il a fait juste la bonne chose. Ça démontre ma foi.
Stanley m'a demandé en mariage, papa, et j'ai accepté. Wow. Il a fait quoi? Ça ne peut pas se faire. Qu'est-ce que tu as fait? La bonne chose. Ferme-la. Est-ce que tu réfléchis? Comment as-tu pu faire ceci? Est-ce que tu réfléchis? Tu es stupide. Tu cherches quelque chose et je vais te les donner. Tu te prends pour un malin, n'est-ce pas? Écoute-moi bien, je te le jure, je vais tout gâcher. Inutile. Je vais te les répliquer. Un homme stupide. Tu n'es qu'un chien fou. Je m'en chargerai de toi, un coureur de jupons. C'est ce que tu y es. Inutile. Inutile. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le ibo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que du contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve. Mais je n'arrive pas à dormir. Je suis très sérieux. Mon cher, depuis que j'ai posé mes yeux sur cette fille, je n'arrive plus à me retenir. Honnêtement, oui, il semble qu'elle a été l'amie à mon frère lorsqu'il était au séminaire. Et depuis qu'il l'a quitté, il a refusé de voir cette fille. Pourtant, elle vient espérant rencontrer mon frère, mais je pense qu'il ne veut pas d'elle. Mon cher, j'ai posé mes yeux sur cette fille et je vis en elle ma femme. Je suis très très sérieux. À côté du fait que j'ai de profonds sentiments pour elle. Mon cher, je veux celle qui est contraire à plusieurs autres femmes. Une femme qui se donne à la prière. Une femme réservée. Et très très belle. Je dois t'avouer qu'elle possède en elle toutes ses qualités. Mathieu, mon cher, je suis prêt à faire n'importe quoi pour gagner son cœur. Oui, c'est ce que je vais faire. Qu'est-ce qui se passe? Maman. Esther, qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, parle-moi, je t'écoute, je suis là. Maman. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne vois pas. Maman, je ne vois pas. Maman, attends. Je ne sais plus voir. Je ne comprends pas.
Tu ne vois pas? Comment? Maman, elle ne peut pas. Maman, elle ne peut rien voir. Tu ne vois pas? Elle ne peut pas voir. Bonjour, monsieur. Bonjour, mon fils. Comment est-ce que tu vas? Je vais bien. Je vous prie, j'aimerais voir Esther. Peux-tu, s'il te plaît, me rappeler ton nom? Pardonnez mes manières. Mon nom est Stanley. Ma fille, calme-toi. Tu ne vois pas ma mère. Elle ne regarde peut pas, peu. Maman. Je ne vois pas. Elle ne voit plus. Maman, hein? Mon ami ne voit plus. Oh. Chimo! Ma peste! Ma peste, viens! Regarde. Bien. Je ne sais pas. Qu'y a-t-il? Esther a dit qu'elle ne voit pas. Je Esther. Pas, oui. Que veux-tu dire par la dérive? Je ne sais pas. Peux-tu voir maman? Elle ne veut pas, papa. Elle ne voit rien du tout. J'ai perdu ma lucidité. Pour bien soit d'être. Laisse-moi l'appeler le féticheur de Amati. Esther. Je ne sais plus voir. Esther, tu ne peux pas me voir. Maman. Eh mon Dieu. Ave Mario. Esther, ma sœur, je te libère au nom de Jésus. Amen. Sois libérée au nom de Jésus. Amen. Amen. Quelle que soit la source de vos pénances, libérez-les. Ave Marie. Libérez les démons. Je vous salue, Marie. Vierge Marie. Vierge Marie. Aide-moi dans ta vie. Mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est sœur. Elle dit qu'elle ne peut rien voir. Elle ne peut pas voir. Elle ne peut pas voir. Ave Maria. Oh là là, elle dit qu'elle ne peut rien voir. Maman. Amen. Amen. Maman, ce n'est pas seulement l'heure de prier, ok? Amenons-la à l'hôpital. Hein? Ok. Nous devons l'amener à l'hôpital aussitôt que possible. Oh, Biko. D'accord. Biko, allons-y alors. Oui, allons-y. Esther, t'es sûr que tu ne me vois pas? Esther, es-tu sûr? Emmenons-la à l'hôpital, s'il vous plaît. Je ne vois pas. Je ne sais pas te voir. Je ne vois pas ma fille. Grand frère, je voulais juste vous remercier parce que vous aviez dit que vous alliez amener mon ami pour le traitement. Merci, que Dieu te bénisse. Oh, c'est bien. Tu sais, je vais me rassurer de réunir tous les nécessaires pour qu'elle aille à l'étranger. Oui, je ne peux pas regarder Esther devenir une aveugle pendant que je peux aussi aider. Merci beaucoup. Dieu c'est va bon. Vous rémunérer. Amen. Que tes poches ne manquent de rien. Amen. Merci beaucoup. C'est bon. Grand frère. Êtes-vous marié? Non, pourquoi demandes-tu? rien du tout. Passe une bonne journée. Vous également. Waouh. Oui, Esther est une bonne fille. Elle est bien éduquée et elle craint Dieu. D'ailleurs, si jamais tu vois cette fille Esther à l'église en train de glorifier Dieu, tu te diras que cette fille, c'est quelque chose d'autre. Donc, laisse-moi te dire que je suis d'accord avec ton idée. Oui, je te soutiens. Même si cela veut dire que je dois contribuer financièrement, je suis prête à le faire. Maman, tu n'as pas à le faire, d'accord? Tu n'as pas à le faire. Je suis aussi venue pour te voir. Tu m'as énormément manqué. Je crois que tu as eu le temps de prier pour moi là-bas au monastère. Oh, je prie pour toi, mais pourquoi pas? Mais toi et moi savions très bien ma sujet des prières, des tous les jours. Je sais. Je suis heureux de te voir aussi heureux pour la première fois, oui. Oh, je suis contente et fière de toi.
Tu sais que je ne peux pas rester fâchée contre toi pendant très longtemps. Tu es mon fils. Tu es mon sang et je t'aime. Mais c'est une bonne chose du fait que tu as dit que tu as changé. Tu n'es plus ce que tu étais. C'est ton père qui m'avait dit que tu as changé et je commence à remarquer cela. Alors je t'ai promis que je t'aimerai toujours comme un fils. J'ai prié pour que Esther et toi, vous puissiez voyager en paix. Que vous puissiez nous revenir avec succès et qu'elle puisse recouvrir la Amen. Paix. Oui, ça se passera comme ça. Écoute, mon fils, j'ai toujours su que tu étais né avec un très bon cœur. Et toujours dans l'empressement d'aider tous ceux qui en ont besoin. Écoute-moi, ne cesse jamais de faire ça. Je prie aussi que le Dieu Tout-Puissant que nous servons va t'emmener là-bas et te ramener ici en paix. Amen. Amen. Merci, papa. Oui. Merci, papa. Maman? Mon fils. Maintenant que tu es de bonne humeur, je pense que je dois te prendre ce que j'avais acheté pour toi. Oh, oh! Et aussi les miens, oh! Bien sûr! Oh, Naï, tu avais déjà pris les tiens. Laisse-moi le récupérer. Je reviens maintenant mon fils, même. Vite, allez, va les prendre. D'accord, maman. Qu'importe ce que tu m'as amené, je serai heureuse de les recevoir. Oui. Oui, oh. Tu comprends maintenant, Naï? Mon combat n'est pas du tout facile. Oui. C'est un très grand combat, hein, Naï? Je sais, c'est un très bon fils. C'est un combat spirituel. Je me bats contre mes ennemis. Et ils seront vaincus. Mes enfants seront des vainqueurs aussi longtemps que Dieu sera en vie. Christo Santos, où est-il? Christo Santos! Christo Santos! Oui? Hey, Seigneur Jésus, combien de fois t'ai-je déjà dit de ne pas pisser dehors? Tu as laissé la toilette pour venir pisser dehors. Bientôt la parcelle va sentir les urines. Qui est-il? J'étais venu te dire que ton fils Stanley m'a appelé au téléphone. Il a dit qu'il vient d'arriver à Londres et ils sont en route pour l'hôpital. Bien sûr, il m'a appelé pour me dire ça bien plus tôt. Oh. Et je voulais t'apporter le téléphone, mais il a dit que je ne devais pas m'en faire. Et qu'il t'appellerait directement. Tu sais, je suis si heureux que... vous vous entendez bien tous les deux maintenant. Dis grâce, il n'est pas question de qui s'est entendu avec qui, pitié. Il n'est pas du tout question de ça, il est plutôt question de la volonté de Dieu. J'ai prié et Dieu a répondu à mes prières. Je sais qu'à leur retour, ils seront déjà mariés. Et de cette façon, Steve ne pourra pas se marier avec Naomi. Parce que d'après la tradition, deux frères ne peuvent pas se marier dans la même famille. C'est ça. Hein? Je comprends pourquoi tu as soudainement accepté Stanley avec les bras ouverts et que tu as même voulu contribuer de l'argent pour les renvoyer au Royaume-Uni. Écoute-moi. La tradition demeure que le plus jeune frère ne peut en aucun cas se marier avant son grand frère. Exact! Et spécialement quand le grand frère est sur le point de se marier. Alors, Stanley ne peut pas se marier avant Steven. Ah, d'accord. C'est bien ce qu'on verra. À la fin de l'histoire, nous saurons qui va se marier et qui va retourner au séminaire. Tu sais quoi? Tu crois que je ne sais pas que tu soutiens Steve? Hein? Tu ne veux pas qu'il devienne prêtre? On verra bien. Tu vois, dans cette maison, il n'y aura pas de paix, pas de repos jusqu'à ce que quelque chose sera fait. Ceci est ma maison. Notre maison. Ceci est ma maison. Et personne, même pas toi, m'empêchera de dormir ou décidera sur le destin de mes enfants. Ça le reste. Personne, je dis bien, personne n'a le droit de décider sur la vie d'une autre personne. Mais tu le sais, en tant que mère d'un futur prêtre, Dieu m'a donné le pouvoir de décider sur le destin de mon fils. Est-ce que tu comprends cela? Si tu ne veux pas la paix dans cette maison, je te donnerai la guerre. Si tu oses faire ça, sache que tu verras. C'est bien ce qu'on verra dans cette maison. Tu n'as pas honte. Il n'y aura pas de paix dans cette maison jusqu'à ce que mon fils deviendra prêtre. Que tu le veuilles ou pas, il le deviendra. Tu verras bien. Tu n'as vraiment pas honte. Tu es habité par de mauvais esprits. Tu essaies aussi de me parler des destins. Si tu le savais, tu n'allais pas te retrouver pauvre comme tu l'es aujourd'hui. N'importe quoi. D'ailleurs, il serait mieux que je m'approche de toi pour que tu m'écoutes très bien. Hey! Wow!
the way the strikers lean into the play to try and gain an advantage. Hey. Ah. Désolé, je ne peux pas faire ceci maintenant, ok? Tu dois attendre jusqu'au jour de notre mariage. C'est quelle bêtise! Naomi? J'ai dit, c'est vraiment un péché pour nous d'avoir les sexes avant notre mariage. S'il te plaît, sois patiente. D'accord? Que je sois patiente? Jusqu'à quand? Écoute, bébé, j'ai besoin de faire l'amour avec toi. S'il te plaît. Écoute-moi, tu verras que tu vas aimer. Viens, chérie, s'il te plaît. Naomi, écoute. Nous ne pouvons pas faire ceci. C'est un péché, d'accord? Que dirais-je à Dieu concernant la femme que je vais lui présenter les jours de notre mariage pour que notre mariage soit béni abondamment? Bébé, je ne suis pas innocente. Je ne le suis pas. S'il te plaît, faisons-le, bébé. Ah. Bébé, dégageons-nous de cet endroit. S'il te plaît. S'il te plaît, j'ai envie de toi. Je sais. Oh, tu sais, bébé, je ne peux pas. S'il te plaît, je suis désolé. Non. Non. Je n'arrive pas à comprendre pour de vrai qu'est-ce que cette femme a fait à notre enfant. Premièrement, ton fils Steven a quitté les séminaires à cause de sa fille. En même temps, ton deuxième fils est en train de dépenser de millions pour prendre soin de sa fille à l'étranger là-bas. Ma belle, tu vois tout ce qui est en train de se passer? Ça montre que Dieu est en train de me répondre. Mais oui, tu vois cette idée que mon fils a pris pour emmener Esther en Europe, c'est la manifestation de l'œuvre de Dieu. Tu ne comprends pas? Comment? Je vais te l'expliquer, ma belle. Tu vois maintenant que mon fils l'emmène à l'étranger pour les traitements de ses yeux? Qui sait ce qui va se passer? Ils vont probablement tomber amoureux. Et s'ils tombent amoureux l'un de l'autre, la prochaine chose à laquelle nous allons parler, devine quoi, ma belle, c'est le mariage. Et ça, c'est si seulement il ne parvient pas à se marier là-bas à Londres. Parce que c'est facile de se marier là-bas qu'ici. Tu sais qu'ici, pour se marier, il y a plusieurs cérémonies. Mais là-bas, c'est rapide. Tu comprends parce que ça veut dire donc que tout le fétiche que Suzanne et sa fille Naomi ont fait à mon fils Steve vont échouer. Dieu va s'en occuper. Et Steve n'aura pas d'autre choix que celui de repartir à l'église, de rentrer au séminaire, pour devenir un prêtre à l'ordre des Melchisedec. Je comprends maintenant. Mais penses-tu que
Esther va accepter d'épouser ton fils. Hé hey. Même toi. Hé hey. Tel que tu es là, si mon fils Stanley te propose, vas-tu refuser? Je te connais très bien. Mais je connais très bien mon enfant. Regarde-le. C'est vraiment un bel homme. Il est grand. Il est beau. Il est riche. Poli. Il a de l'argent. Et il vit à l'étranger. C'est pas un villageois. Mais bien sûr que oui. Qu'est-ce que tu racontes? Même toi, tu vas l'accepter. Hein? Mais qui n'aime pas de belles choses dans ce monde? Beaucoup de femmes courent après lui. Je vois. Je comprends maintenant d'où vient tout ceci. Tu sais que je me suis dit que tout ce qui s'est passé, c'était pour tester ma foi. Ça ne se produira plus. Je crois que c'était pour tester ma foi. Ça ne se produira plus. Je ne le permettrai pas. Donc, tu crois vraiment que Steve, mon fils, va quitter le séminaire juste comme ça? Ok. Tu as raison. Je comprends maintenant d'où tu viens. Dieu va exaucer tes prières. Il le fait chaque fois. Le bon Dieu n'aime pas voir ses enfants souffrir. Tu vois cette femme et sa fille? C'est ne réjouiront pas du tout. Tu me comprends? La maman dit prêtre. Oui, ma belle. Je suis vraiment heureuse que tu aies toujours foi en Dieu. Ah, je l'aurai toujours. Parce que je sais que des bonnes choses m'attendent. Tu comprends? C'est ça, oh. Je suis la maman d'un abbé. J'ai été choisie depuis la création. N'oublie pas. Bien sûr. Tu m'as envoyé sur terre pour être la maman d'un prêtre. C'est ça, oh. C'est vraiment ça. Donne une bonne éducation à tes enfants. Pour que demain tes petits-enfants puissent en monter. Hé, hey, ma belle, je te dis la vérité. C'est vraiment ça. Très bientôt, je serai appelée la maman du monsieur l'abbé. La maman sois du fière. Sois vraiment fière. Je serai aussi la grand-mère de mes petits-enfants. C'est bien ça. Quand on grandit, on devient grand-mère. En tout cas, je remercie. Vraiment. Et oh, doucement, doucement, ça suffit. Le fer est très chaud. Tu refais la mère du prêtre, calme-toi. Je vais toujours être bien habillée. Je suis oh, la mère du prêtre. Bien, donc, les gens me regardent. Maman, j'essayais de faire tout ce que je connais pour le séduire. Mais il a dit non. Il dit qu'il ne va pas coucher avec moi avant la nuit de notre mariage. Et maintenant, Stanley... Et Esther est en Angleterre. Et s'ils s'aiment et veulent se marier? Maman, je ne voudrais pas ruiner mes chances de se marier avec Steve. Ah. Ma fille, calme-toi. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, même coucher ensemble. Maman. Hein? Tu dis maman? Ma prière est qu'ils puissent même s'aimer. Maman, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que je dis? Naomi, je suis fatiguée d'entendre la même histoire entre toi et Steven. Hein? Même de sa mère qui vient nous jeter de l'eau ici et l'huile d'olive. Et tu me dis maman? Maman, je peux pas croire que tu dis tout ça. Alors que je dise quoi? Hein? Que je ne souhaite pas que ma fille se marie à Londres juste parce que je veux que Stephen puisse t'épouser? Non, 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 réponds-moi. Hein? Je vous aime tous les deux de la même façon. Et je prie toujours pour vous deux. Alors tout celui qui viendra ici en premier, avec sa famille, pour demander la main de l'une de vous deux, il deviendra mon beau-fils. Et c'est fini. Continue à dormir. Maman, qu'est-ce que tu dis? Tu m'as très bien saisi, ma fille. Mais que, dis-moi, qu'est-ce que tu dis exactement? C'est vraiment toi qui me dis ça? Non. Ce n'est pas moi. C'est mon esprit. Oui. Naomi, oui. Tu m'as bien entendu. Comment? Esther mérite aussi ce qui est bien. Et je le vois s'accomplir. Si Stanley vient demander sa mère en mariage, je l'accepterai avec joie de tout mon cœur. Et c'est tout. Continue à dormir. C'est ton problème. Tu vas le regretter. Si tu n'es pas prudente, tu le regretteras. Je t'ai tout dit. Ah ah, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui m'arrive exactement? Steve, es-tu sûr que tu fais ce qui est juste et tu es avec une bonne femme?
Est-ce que je manquais quelque chose ou quelque chose manque dans ma vie? J'aime Naomi de tout mon cœur, mais le visage que je vois toutefois quand je ferme mes yeux, comme ma femme, c'est Esther. Qu'est-ce que Dieu veut me dire exactement? S'il vous plaît, papa, je vais aller lui dire pour la dot. Tout ce que je peux te demander, c'est tes prières, bénédictions et soutien. Bien. Ça, c'est exactement ce que je voulais entendre. Hein? Merci, papa. Merci. Mais ta mère, au moment où nous parlons, elle est en chemin vers l'avenue Ogumona pour une autre puissante prière, juste pour toi, d'après elle en tout cas. Et elle dit que tu en verras la manifestation. Tu sais, elle sent qu'il y a un travail spirituel maléfique derrière cette décision. Devine quoi, mon fils, tu es protégé. Toujours, papa. Toujours. Ceci est une grande opportunité de faire le nécessaire. Et là, lui prouver le contraire. Tu vois? Merci, papa. Donne-moi la main. Merci. Mon fils, je suis Merci. Très heureux. Merci beaucoup. Tu sais quoi? Assieds-toi, il y a quelque chose que j'aimerais te dire. Ok. Alors, papa, aujourd'hui c'est le jour J. Je suis venu prendre la liste. Je sais que tu prendras très bien soin d'elle. Voilà pourquoi je te fais confiance. Bien sûr, je le ferai. Je le ferai. Alors, c'est comment alors? Papa! Ah! Esther! Papa, ta fille est de retour. Oui, papa. Oh, c'est mon bien Dieu. Moi. Esther, tu peux voir? Oui, je vois. Tu es devenue aussi très belle. Voir, bonjour, merci, monsieur. Papa. Stanley. Monsieur? Stanley, qu'est-ce que tu as fait exactement, ma fille? Rien. Papa, il n'a fait que les bonnes choses pour moi. Papa, devine quoi? Tu sais quoi? Stanley m'a proposé un mariage et j'ai accepté. Ah bon? Il a fait quoi? Ça ne peut pas se faire. Qu'est-ce que tu as fait? La chose Ferme-la! Est-ce que tu réfléchis? Comment as-tu pu faire ceci? Est-ce que tu réfléchis? Tu es stupide! Tu cherches quelque chose et je vais te les donner! Tu te prends pour un malin, n'est-ce pas? Écoute-moi bien, je te le jure, je vais tout gâcher! Inutile! Je vais te les répliquer! Un homme stupide! Tu n'es qu'un champion! Je m'en chargerai de toi, un coureur de jupons! C'est ce que tu es! Inutile! Inutile! Mon fils, tu n'as pas du tout l'air content. Papa, avertis Stanley. Je ne suis pas d'accord avec lui. Avertis-les. Je vais vraiment lui montrer mon autre côté s'il ne veut pas abandonner son plan maléfique. Ah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Il était là présent les jours que je m'étais fiancé à Naomi. Ok? Il est le témoin de mon engagement. Bien sûr. Était là et il connaît éventuellement les détails du plan de mon mariage. Je le considère en tant que mon frère. Je lui parlais de tout et de rien. Il a trouvé bon de me poignarder dans les dos. Il a proposé à Esther en coulisses. Hein? Sachez bel et bien que le même frère ne peut pas aller épouser dans une même famille selon notre tradition. Papa, mets-toi à ma place. Pourquoi j'ai dit tout ceci? J'ai été bon durant toute ma vie. J'ai été calme, raisonnable. Mais je te dis que cette fois-ci, ça va changer de camp haut. Hein? Ce n'est pas normal, c'est nulle part dans la Bible. Saul était devenu Paul. Ce serait vraiment difficile que Paul devienne encore Saul. Là, ça pose vraiment problème. Alors, avertis-les. Avertis-les. Je vais m'en charger de lui s'il ne veut pas abandonner son plan maléfique. Mon fils, maintenant écoute.
Ton plus jeune frère ne peut jamais se marier avant toi. Ce n'est pas possible, pas aussi longtemps que je serai en vie. Hein? Et pire encore que tu es maintenant prêt à te marier. Non! C'est d'ailleurs contre la tradition. Qu'un plus jeune frère se marie avant son frère aîné. Non! Excepté si le grand frère n'est pas prêt de se marier ou bien n'a pas envie de se marier. Écoute, mon cher, je suis prêt à te soutenir. Te soutenir à épouser une quelconque fille que ton cœur désire. Et je vais lui parler. Je sais qu'il m'écoutera. Parle-lui haut. Il doit attendre à ce que tu te maries d'abord. Parle-lui haut. Ce garçon m'a poignardé dans les dos. Et c'est ce qu'il a trouvé bon à faire. J'ai tout entendu. Ce que vous êtes en train de dire, c'est pas vrai. Quant à toi, Santos, j'ai toujours su que tu n'étais pas d'accord que Steve aille au séminaire. Tu n'as jamais voulu qu'il devienne prêtre. Tout ce que tu as toujours voulu, c'est de dire aux gens, « Ah, lui, c'est mon fils aîné, il s'appelle Steve. Il a à présent 5 enfants et voilà sa femme. » Mon cher mari Santos, ça ne se passera pas comme ça. Tu vois, ce garçon ici présent est un enfant spécial. Steve, Dieu t'a créé pour le servir. Tu es un prêtre à devenir. D'ailleurs, tu es déjà un prêtre parce que tu as été choisi par Dieu. Ne l'oublie surtout pas. Hein? Tout ce que vous êtes en train de parler, c'est du bêtise. Permets à Stanley d'épouser la femme qu'elle veut. Laisse-les tranquilles. Tu es fait pour servir Dieu. Cela m'a été révélé à plusieurs reprises. D'ailleurs, les hommes de Dieu me le disent encore et encore à maintes reprises. D'ailleurs, la dernière fois que j'étais allé au monastère, je te vis dans mes rêves habillé comme un prêtre. Tu deviendras l'un des plus grands prêtres du Nigeria. Alors de quoi est-ce que vous parlez? Ne vous laissez pas berner par les diables, c'est pas ton destin. Tu vas servir Dieu à tant que prêtre, que tu le veuilles ou pas. Retiens ce que je te dis, tu deviendras prêtre que je sois en vie ou morte. Point final. Maman, tu me menaces ou comment quoi? Comment ça menace? Est-ce que moi je peux te menacer? Ai-je l'air d'une personne qui peut menacer mon propre enfant? Je t'ai dit la vérité. Et c'est ce qui doit se passer. Je viens de te dire que tu seras un prêtre, l'un des plus grands de notre pays. Ok? Tu vas servir Dieu à tant que prêtre. Tu vas prêcher sa parole. Et les gens sauront que Steve est l'un des plus grands prêtres de notre pays. Donc oublie ces idées diaboliques, mon fils. Maman, laisse-moi haut. Maman, laisse-moi haut. Que je te laisse. Laisse-moi vivre ma vie haut. Hein? Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Détrompe-toi. Ok? Tu as été choisi depuis la création. Ok. Donc arrête de me parler de l'amour. Je vais poser tel ou tel. Tu ne te marieras avec aucune femme. Le mariage n'est pas fait pour toi, mon cher fils. Okay. Oui, sache-le. Maman. Oui, papa. Maman. Papa. C'est bien. Mon fils chéri, nous n'avons pas fini la discussion. Maman, on en parlera un autre toi jour. Toi et lui, vous verrez. Tu n'épouseras aucune femme, oh. C'est Stanley qui va se marier. C'est lui qui doit se marier, Esther. Et pas toi. Tu n'es pas fait pour le mariage. Suis ton père, c'est pas grave. On verra là où tu vas épouser cette femme. Fais vite, révérend père. Il y a des gens qui t'attendent pour confesser. Maman. Maman! Maman! Maman, viens voir ta fille, je suis là. Où es-tu? Maman! Ah. Naomi, c'est toi? Esther, comment oses-tu? Comment peux-tu te permettre d'accepter la proposition du jeune frère de l'homme que je vais épouser bientôt? Comment? Toi et moi savons que c'est impossible que deux frères puissent épouser deux sœurs d'une même famille. Tu veux simplement gâcher pour moi l'occasion d'épouser Steven, l'homme que j'aime. Tu as fini? Non, je n'ai pas fini. Esther, retourne cette bague, sinon tu vas entendre parler de moi. Ok, laisse-moi les considérer comme tous ces héros de montade. Tous ces grosso modo grammaires inopportuns. Juste pour m'intimider et me demander de remettre la bague de l'homme que j'aime énormément, vraiment, et que je dois arrêter de voir mon homme. C'est ça? Juste à cause du temps que tu es en train de passer avec Steven, que je ne sais même pas comment qualifier. C'est lui que j'ai aimé avant et pour qui j'étais suppliée. De me laisser que tu as refusé. Hein? C'est pour ça que tu emploies toutes ces grammaires. Hein? C'est exactement de quoi je parle. Détrompe-toi. Je ne le ferai pas.
Esther, ne joue pas avec le feu. N'essaye pas de jouer avec le feu. Tu n'as qu'à t'exploser. Esther, j'espère que tu m'as bien entendu. Explose-toi, rabat-joie. Je ne te laisserai pas gâcher mon humeur. Maman, maman, où es-tu? Où est-elle partie? Maman, ta fille est rentrée, fiancée. Maman! Mon fils, ce que je suis en train de dire, c'est que tu ne peux pas te marier avant ton frère. Et spécialement maintenant qu'il a fait tous les arrangements pour faire cela. Donc, tu dois attendre à ce qu'il puisse se marier. Après, ça sera ton tour. As-tu entendu? Papa? Attends. Je n'ai pas encore fini. Après son mariage, nous nous assierons en tant qu'une famille pour commencer à parler des préparatifs de ton mariage. Je crois que c'est ça, n'est-ce pas? Papa, tu finis? Tu as fini, n'est-ce pas? Exact. D'accord. Toute ma vie, tu l'as toujours mis en premier. Dans toute chose, j'étais allé au Royaume-Uni juste pour qu'il devienne prêtre. J'ai passé des années sans voir mes parents. Papa, sais-tu combien comment c'est difficile? Sais-tu combien comment c'est difficile de passer plusieurs années sans rencontrer des gens que tu aimes? Je l'ai fait pour lui. Je suis revenu. Je me suis rassuré qu'il remette sur terre ses deux pieds. Maintenant, il veut que je fasse un autre sacrifice pour lui. Il veut que je laisse Esther pour lui. Papa, toi et moi savons bien que s'il s'est marié avec cette fille, je ne veux plus épouser Esther. Papa, je ne suis pas d'accord. Oh. Je ne veux pas le faire. Je ne veux pas l'essayer. En tout cas, ça ne marchera pas. Oh, tu sais que si j'épouse Naomi, tu serais incapable d'épouser Esther, c'est ça? Hein? Oh, tu sais quand même la tradition. D'accord? Qu'est-ce tu sais quand même la tradition, d'accord? Et qui est en train de parler de la tradition? Laisse-moi te corriger. Je vais mettre l'accent sur les i. Tu n'as jamais quitté Nigérian pour l'étranger à cause de moi. Oui, tu fais semblant comme si je ne sais rien. Tu avais pris la fuite parce que tu avais presque tué. Tu crois comme si je ne sais pas? Oui, si vraiment tu restais ici au pays, tu devrais être arrêté. Criminel. Hein? Oui, tu m'as trahi. Oui, tu m'as trahi, mais laisse-moi te dire. Tu te trompes de toi-même si tu as déjà annoncé à tout le monde que tu vois épouser dans cette famille. Papa, écoute-moi, tu ne veux pas me mettre ici et commencer à entendre ces bêtises. Le plan pour toi était que tu deviennes un prêtre et non que tu te maries. Alors va reprendre ta soutane et rentre au séminaire. Mmh. Est-ce que tu comprends? J'avais le plan de devenir un prêtre. Oui, mais j'ai changé mon avis. J'ai le droit de changer ma décision. Écoute-moi bien, je ne veux plus être encore un prêtre. Alors, c'est mieux de laisser Esther tranquille. Laisse Esther et sa famille haut. Laisse mes beaux-pères calmes. Éloigne-toi d'eux. Je t'avertis. Éloigne-toi de cette famille. Ne dis pas que je ne t'avais pas averti. Même si je te provoque, tu ne me feras rien. Non. Je veux me marier à la femme que j'aime. Et cette femme, c'est Esther. Et tu ne pourras pas m'arrêter. Ok. Va te trouver une autre femme. Va te trouver une autre femme. Laisse Esther et sa famille tranquille. Arrête de me déranger. Je ne suis pas là pour tes bêtises. Je t'avertis. Tu crois que je perds de frère aîné. Respecte-moi, sinon, tu te moques de moi, tu en penses cas, que tu peux m'intimider, en tout cas, tu es un criminel, je ne fais pas du tout avec très toi. Je tu n'ai es pas vraiment de inconscient toi. De ce que dis tu que fais. Tu ne peux rien faire. Bêtise. C'est moi qui t'ai façonné. Je t'ai façonné. Tu m'as façonné, mais maintenant là, sache que je peux prendre soin de moi-même. Tu avais eu la chance de ne pas être arrêté. Essaie de le faire maintenant. J'appellerai la police d'intervention et tu serais arrêté. Inutile. Bêtise. Tu me le dis encore plus. Malfaiteur, c'est ce que tu es. Garçon inutile, hein? Tu ne vas pas bouffer le peu d'argent que tu as en paix. Je vais te faire arrêter. Tu avais voyagé pour l'étranger à cause de qui? Qu'est-ce que tu veux dire? Non, je ne peux pas accepter ce genre de bêtises.
un prisonnier, c'est ce que tu es. Que la foudre s'abatte. Regarde les tatouages sur ton corps. Que la foudre s'abatte. Regarde comment tu t'es fait sur ton corps. Va te chercher une autre femme. Laisse Esther tranquille. Inutile. Si ce n'était pas pour une chose, mais j'allais déjà lui faire du mal. Hein, papa, essaye d'avertir ton fils Steve. Qui rentre là-bas au séminaire. Qui rentre là-bas. Steve, tu n'as qu'à reprendre ta soutane. Tu n'es pas venu ici pour chercher de pro. En tout cas, je m'arrête là. Je crois que c'est bon pour aujourd'hui. Si ce n'était pas pour une chose, si ce n'était pas pour l'amour de... Mais pourquoi chaque jour que je me sacrifie, quand je me sacrifie pour lui? Mais cette fois-ci, il n'osera pas. Penses-tu qu'il peut me faire facilement? C'est ce qu'il croit. Naomi, qu'est-ce que tu fais pendant la nuit comme ça et tu ne m'as même pas appelé avant de venir? Qu'est-ce qui se passe? C'était pas important de t'appeler. Je suis déjà là. Allons profiter du moment. Faire quoi? Tu peux me donner une grossesse. Naomi, je te l'avais dit bien avant. Il n'y a pas de sexe jusqu'au jour de notre mariage. D'accord? Ce n'est pas le temps pour le sexe. C'est le temps de nous concentrer pour voir ce que nous pouvons faire. Bébé, il n'y en a plus rien à attendre. Oui, tout ce que j'attends de toi maintenant, c'est de me donner une grossesse. Alors, pour que cela arrive, tu dois me faire l'amour. Écoute, Naomi, je ne voudrais pas découvrir les trésors cachés en toi ni à une autre personne parce que je ne veux pas regretter durant toute ma vie. Biko, il n'y a pas le sexe jusqu'au jour de notre mariage. Écoute. Naomi, rentre dormir. Je ne veux plus le répéter, s'il te plaît. Je ne veux plus. Bébé. Bébé. Steven. Bébé. Pourquoi es-tu réveillé à cette heure de la nuit? Arrête. Tu es en train de regarder la photo de ma sœur Esther à cette heure? Je n'avais pas sommeil, alors je me suis décidé d'aller voir ce qui s'est passé à la télévision. Alors j'ai eu les messages. J'ai essayé de voir, je suis allé tomber sur sa photo. Je ne regardais pas la photo pendant longtemps. Steven. Tu étais en train de regarder la photo pendant que je te vis. Regarder sa photo, ce n'est pas un problème. Mais le fait pour toi de fixer sa photo... Mon bébé. Oh, laisse-moi tranquille. Comment encore que je te laisse tranquille? Hein? Tu dois être contente comme je suis là pour te voir. C'est quoi le problème? Je suis enceinte. Hein? Tu es enceinte. Félicitations. Serre-moi la main. Félicitations. Qui est le père? Que veux-tu dire par qui est le père? Uh-huh. Mais bien sûr que c'est toi le père, non? Comment est-ce que tu me poses encore cette question?
Que veux-tu dire par là? Mais c'est toi le père et tu sais bien ce que nous avons fait ensemble. Le père de quoi? Le père de ma grossesse, quelle non? Grossesse? Quand est-ce que je t'ai rendu grosse? Et c'est pour moi? C'est quoi ça, cette bêtise? Tu m'appelais dès là où j'étais en train de faire quelque chose d'important pour venir me dire que je suis le père de cette grossesse inutile. Tu étais allé coucher avec notre homme et moi, tu veux m'attribuer la charge moi, de Rosa, ce genre de bêtises. Coucher avec d'autres hommes? Moi? Je crois que tu n'es pas sérieuse. Est-ce que moi j'ai l'heure de quelqu'un qui peut que te rendre grosse? Tu n'as pas l'heure de quelqu'un qui peut me rendre grosse. Tu n'as pas de liquide à l'intérieur? Qui est liquide? Ai-je versé cette liquide en toi? Où est-ce que tu l'avais versé? Je l'ai versé au sol et tu me poses la question où est-ce que tu l'as versé? Ferme-la! Ah, ne cherche pas ce que je puisse te maudire, oh! Maudire qui? Ne cherche pas ce que je puisse te maudire! Tu ne sais pas ce que j'avais mis en moi! Qu'est-ce que moi j'ai non, mis non, en non, toi? Non, ne m'énerve pas, oh! Ne m'énerve pas! Dis-moi maintenant quand est-ce que tu verras voir mes parents? Hein? D'ailleurs, tu sais bien que je n'étais pas d'accord de ce que tu me faisais. Mais tu m'avais dit ok. Je t'avais dit, n'entre pas! Tu as oublié? Tu m'avais fermé la bouche et puis tu es entré. Et maintenant... S'il te plaît, arrête de dire un peu tout ce que tu dis là. Arrête, pourquoi je dois venir me présenter chez vous? Dis-moi quand est-ce que tu viens me voir mes parents? Je ne viendrai pas me présenter chez vous. Hein? Tu m'as appelé comme si tu veux me donner de l'argent. D'ailleurs, demain, je vais voyager pour Lagos. Je te dis déjà que demain, je voyage pour Lagos. Ne me dérange pas, tu ah m'as non, appelé là, comme tu si... Ah non, là, tu n'iras nulle part. Alors s'il te plaît, dis-moi quand est-ce que tu viens voir mes parents? D'ailleurs, à cause de toi... Maman Marie n'est pas contente de moi. Et tu me dis que tu voyages pour les gosses. S'il te plaît, dis-moi quand est-ce que tu viendras voir mes parents. Dis-moi quand est-ce que tu viendras voir mes parents. C'est quoi ça? Tu me diras quand est-ce que tu viendras voir mes parents. Dis-moi quand est-ce que tu viendras voir mes parents. Donc tu m'as appelé pour ceci. Je crois comme si tu m'appelais pour. Je veux que tu me dises quand est-ce que tu viendras voir mes parents. Lâche-moi. Tu. Toi, reste là. Comme ça, tu vas bien pleurer. Non. S'il te plaît, pardonne-moi pour tout ce que j'ai pu faire. Maman Maria! Hey! Esther! Maman! Ah. Hey! Maman, en fait, c'est mixte. Ce modèle est très beau. C'est pour les hommes et les femmes. Louis Vuitton! Maman, c'est attends, Louis d'abord, attends. Vuitton. Oui. Louis. Oui. Ah. Ok, Louis. Louis, quoi? Louis Vuitton. Hey, Esther. Maman. Alors tu veux dire que c'est ton lit d'acheter tout ça après avoir beaucoup dépensé pour tes soins là-bas à Londres? Maman, j'étais d'ailleurs surprise moi-même. Tu sais... Je devais arrêter de prendre les articles puisqu'il nécessitait de me dire « prends » jusqu'à ce qu'il commence à choisir pour moi. Maman, je ne sais comment m'exprimer, mais je ne pensais pas qu'un homme peut m'aimer autant, maman. Oh, oh ma fille. Ma fille, tu le mérites. Les bonnes choses seront toujours ton partage. Amen. Hey. Amen, maman. Hey. Ah, ah. Maman, ça, hey. C'est la version actuelle. Esther, s'il te plaît. Je t'en supplie, au nom de tout et surtout de la sœur Marie que tu sers, que tu aimes et tu respectes, s'il te plaît. Arrête d'identifier mon homme à tes stupides photos que tu postes sur Instagram. S'il te plaît, arrête ça. Arrête de l'identifier. Ah ah! Bien! Naomi! Hein? Es-tu folle? Ça veut dire quoi? Pourquoi parles-tu à ta grande sœur ainsi? Hein? Je l'ai aidée à poster ses photos sur Instagram parce qu'elle avait envie de les poster là-bas. Maman, elle l'a identifié, mon homme. Elle a identifié quel homme? Tais-toi! Je n'ai pas identifié ton homme! Je n'ai identifié personne! Pourquoi tu crois que j'ai identifié ton homme? C'est quoi ça? Maintenant, écoute! Prochainement, si tu oses encore manquer du respect à ta sœur, tu verras une autre face de moi. Ah ah! T'inquiète. T'inquiète, ma fille. Maman. Ça va, je sais. Je sais.
Je suis contente. Je suis tellement très heureuse. J'aime très bien ce son. Oh, maman, écoute ce que tu dis. Ça me fait énormément de bien, tu sais. C'est une totale transformation, ma fille. Esther Lo, maintenant tu as appris comment utiliser deux yeux. Tout ça, c'est à cause de Stanley, hein. Stanley t'a appris comment te... Ma fille, je te dis, hein. Je suis fière de toi. Maman, tu sais, je préfère qu'on l'appelle Tata. Genre Tata. Stanley paraît être local. Tata. Oui. Tata comme un nouveau-né. Tata, peu importe. J'aime bien ce son. J'aime ça. Ah. Retourne encore. Maman. Hey, ma gueule. Ah, Esther. Esther. Tu vas bien? Qu'est-ce qu'il y a? Maman. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Esther. Est-ce que tu vas bien? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Ma chérie? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Je vais bien, maman. Je ne sais pas trop. Tu vas bien? Es-tu sûre que ça va? Je vais bien. Nous devons aller voir un médecin. Demain matin. Oh non, maman, il n'y a rien. C'est juste un petit malaise. Je vais bien. Je sais, mais on doit aller voir un médecin pour qu'il confirme ce que tu dis. On doit voir un médecin. Oh? Oh? Je vais bien, maman. Il n'y a rien, maman. Je sais. Nous verrons le docteur demain. Allons-y. Hey. Félicitations, Esther. Hein? Les résultats de tes examens. Hein? Comment? Quand? Hey, docteur. Merci beaucoup. Je vous en prie. Que Dieu te bénisse, oh. Je vous en prie, s'il vous plaît, excusez-moi. Esther. Tu es enceinte? Qui t'a engrossée? Non, quand? Esther, qu'est-ce que tu me caches? Hein? Révérende sœur, donc tu l'as fait. Maman. La révérende sœur, la vidéo. Esther, oh mon protecteur. Hey, merci de m'avoir honoré. Hey, maman. Ma révérende sœur. Oh. Hey, maman, arrête. Ma fille, oh, je te dis. Je suis étonnée, oh. Yeah. Oh, mon Dieu. Ma chérie, au moment où nous sommes en train de parler, le bon Dieu a pris la responsabilité de tous mes problèmes, ma belle. Tu sais quoi? Mon fils, Stanley, va bientôt se marier à Esther. Hein? Mm-hmm. Et quand cela sera fait, sais-tu ce que ça veut dire? Hey, mon fils Steve ne pourra plus se marier à Naomi. Oui, et je sais que ça sera réalisé.
parce que je le vois encore et encore dans mes rêves. Dieu me les révèle très souvent. Donc, cela veut dire que mon fils, Steve, va repartir à l'église et devenir le prêtre, comme cela a été écrit. Hey, tu comprends? Mère du prêtre! Hey, ma mère, tu connais très bien, tu sais que je ne blague pas. Personne ne m'empêchera d'être appelé par ces gens. Je sais voir que tu sais conserver ce qui est à toi. Bien sûr que oui. Comme la mère du prêtre. La maman du prêtre, la maman du prêtre. Je n'arrive toujours pas à comprendre ce que Suzanne et sa fille ont fait à ton fils. Mais quant à ces derniers, c'est déjà sous contrôle. Amen. S'ils ont utilisé quelque chose contre mes enfants, sache que c'est déjà des retours chez eux. Toutes ces choses-là ont été mises sous contrôle pendant que je faisais mes 9 jours de prière devant leur maison. Ma belle, laisse-moi te dire que c'est déjà des retours chez eux. Amen. Qu'est-ce que c'est que ça? Amen. La chose la plus importante pour l'instant est que Stanley épouse Esther. Tout est sous contrôle, ma belle, parce que très bientôt, mon fils Steve va repartir au séminaire d'où il appartient. C'est ça son travail, servir Dieu en étant prêt. Je remercierai Dieu infiniment si cela se réalise. Amen. Je vais danser, ma belle, pour remercier Dieu. Pas comme les gens vraiment, disent que c'est je ça. Vais danser comme David. Non, je danserai comme la maman d'un monsieur l'abbé, la maman d'un révérend père. Ma soeur, c'est pas du Amen, tout facile. Amen, non, ma soeur. Quand tout ceci prendra fin. Ma belle, te dérange pas. Tu ne me fais plus confiance. Ça se terminera bien. Et la gloire sera rendue à Dieu. Amen. Belle, Dieu que ça soit ainsi. Amen. Amen. Oh. Amen. Hey. Et très bientôt, les gens vont commencer à dire, regardez pourquoi la pas, de oh, pourquoi pas. Pourquoi pas, oh, pourquoi Dieu pas. La mère du prêtre. Hey, mon Dieu. Oh. La mère du prêtre. Esther, ma soeur, s'il te plaît, ne me fais pas ça. Tu ne peux pas te marier à Starling. Non, parce que tu sais que je suis profondément amoureuse de son grand frère. Tu ne peux pas l'épouser, s'il te plaît. Je ferai tout ce qu'il faut pour toi. S'il y a une chose que tu peux faire pour moi maintenant, ça sera de parler avec papa et maman. Au sujet de mon mariage, dites-leur d'activer le processus. Je n'ai plus assez de temps. Et je ne veux pas du tout accoucher en dehors de mon toit conjugal. Et si une personne ou une chose s'élèverait pour m'empêcher de réaliser ses rêves, je me lèverai contre ça. Je Ma sœur, es-tu sérieuse? Tu veux vraiment épouser Starling? Bien sûr que oui. N'est-ce pas évident que je porte son enfant? Esther, écoute-moi. Si jamais tu épouses Starling, je te rendrai la vie difficile, je te dis. Esther, je mettrai le feu sur toi. Je rendrai ta vie misérable qui t'emmènera jusqu'à la mort. Je te le promets. Fais le pire. Je ne sais même pas pourquoi je dois me déranger pour ça. Allez, qui est là? Bienvenue, madame. Bébé, est-ce que tu vas bien? Je vois comme si tu as un problème. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi. Le soleil est accablant. C'est quoi le problème? Esther est enceinte de Starling. Et ils vont se marier. S'il te plaît, tu dois stopper ce mariage. Tu ne peux pas laisser ce mariage se réaliser. Esther a la grossesse de Stanley? Oui. Stanley que je connais. Ton jeune frère. Bébé, s'il te plaît, fais quelque chose. S'il te plaît, fais quelque chose. Stanley veut blaguer avec moi, n'est-ce pas? Il se prend pour qui? Oh,
Tiens, c'est quoi ce que j'entends? Bien, ma fiancée est enceinte. Oui. Et je serai bientôt un papa. Et tu seras un oncle. Jamais! Jamais! Tu n'épouseras jamais Esther. Qui l'a dit? Moi! Tu peux faire tout ce que tu veux pour l'enfant, mais tu n'épouseras jamais Esther. Mon père? Oui. Mais pourquoi mon père? Hein? Bien. Personne. Je veux dire... aucune personne, ni même toi, ne peut m'empêcher d'épouser Esther. Hey, Jésus! Tu es un imbécile, fou, inutile, pour te dire que je suis capable de te stopper de ne pas épouser Esther. Oh oui, oui. Est-ce que tu m'as frappé? Oui, je vais te gifler encore et encore. Est-ce que tu m'as oui, giflé? Oui, je l'ai fait. Tu m'as giflé? Je suis ton frère aîné. Tu m'as giflé? Et je vais te gifler encore. Mon père? Inutile. Regarde-moi ce petit gamin. Mais mon père, pourquoi as-tu levé la main sur ton petit frère? Tu es un prêtre. Tu dois savoir pardonner les gens. Non, maman, je ne suis plus un prêtre. Je suis un laïc. Non, oui, non, je ne suis plus un prêtre, un maman. Un jour, un prêtre, prêtre pour toujours. Tu es un prêtre et je suis la mère d'un prêtre. Hey, vas-y, je veux encore t'entendre dire que ce n'est pas pour toi que je suis allé au royaume. Je t'en prie, mon fils, écoute. Maman, reste loin de nous. Maman, reste loin. Parce que tu tiens entre le bain. Tu ne peux pas pointer ton arme sur lui. C'est un homme de Dieu. S'il te plaît. Je ne veux pas seulement pointer mon arme sur lui, mais je veux aussi l'écraser. Maman, tu vois ce que tu fais? Maman, tu vois ce que tu fais? S'il te plaît, je me rends. Maman, quitte-la. On se rend. Maman, quitte-la. Maman, je vais tuer cet homme. Ne le tue pas. Non, mon frère, ne le fais pas. Je t'en prie, pas. Non, ne le fais pas. Bien. Maman. Qu'est-ce que se passe-t-il ici? Maman. Mary. Maman. Qu'avez-vous fait? Hein? Mary. Oh, mon Dieu. Mon Dieu. Elle ne respire plus. Hein? Il faut l'emmener à l'hôpital. Oui, immédiatement. Partons. Elle ne respire plus. Hey, maman. Oui, ne fais pas ça. Maman. Ne fais pas ça, s'il te plaît. Écoute-moi bien. Si quelque chose de mal arrive à maman, tu verras ce qui va t'arriver. Je te l'ai dit. Toi, tu verras de quel bois je ne voulais pas tirer sur elle. Tout ce qui lui est arrivé, c'est toi qui l'as causé. Alors, va chercher quelque part d'autre où déposer ton énergie. Est-ce que tu comprends? Tu la fermes là où tu es, ingrat. Tu avais braqué l'arme sur notre maman et tu l'as tirée. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Papa, laisse-moi s'il te plaît. Mais qu'est-ce que fais tu l'as fermé? Un assassin, bandit, tu veux m'impliquer aussi? Tu veux m'impliquer aussi? Tu n'es qu'un assassin. Ok. Tu as tué notre mère le jour où tu as quitté la prêtrise. Tu penses que je ne sais pas? Tu es qu'un assassin. Tu es sans valeur. C'est toi la cause de tout. Tu es sans valeur. Si vous n'arrêtez pas, toi, tu vas faire la prison. Je vais vous faire écouter ça à tous les deux. Tu as tué notre maman, un assassin. S'il vous plaît, calmez-vous. Oui. Je suis désolé de dire ça. Nous l'avons perdu. Hein? Nous avons essayé de tout faire. Perdu qui? Hein? Pardon? Perdu qui? Oui, comment c'est vrai, nous l'avons tu perdu. Tu vois ce que tu as fait? Un bandit, un assassin, bâtard. Toi, tu vas faire la prison. Inutile. Qu'est-ce qu'il ne va pas avec vous deux? Un bandit. Hein? Tu vas faire la prison. Qu'est-ce qu'il ne va pas avec tous les deux? Vous devriez avoir honte de ma mère. Papa, tu as tué ma mère. Papa, je ne te fais pas. Non, je suis fini. Oh. Vous deux devriez avoir honte de vous. Papa, ne me touche pas. N'avez-vous pas honte? Docteur, assassin. Docteur, qu'est-ce que tu viens de dire? Assassin, tu veux me tuer? Inutile. Bâtard, qu'est-ce que tu as dit? Tu as tué ma mère. Tu vois ce que tu as causé? Un sanguinaire. C'est ce que toi tu es. On te donne le sang pour boire. Tu es sué du sang. Un bandit tout à fait. Tu cherchais comment me tuer. Pas de problème. Je te rai. Tu crois que tu as de la chance? J'éterai à travers la prière. Bandit, oh hey. Je ne sais vraiment pas quel est votre papa, problème. Il mais faut vraiment faire très attention avec ces bandits. Mais combien de fois vous demandez d'arrêter de crier? Hey. Pourquoi assassin, faites-vous cela? Assassin.
Maman? 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 Maman, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, maman? Hein? Écoute-moi très bien, révérend père Steve. Tu dois devenir un révérend père. Maman? Maman, laisse-moi, non? Je sais que tu sais ce que je veux. J'étais là, maman. J'étais là bien avant. J'essayais de faire ce que je pouvais. Tu as oublié Matthieu 26, 41? Il est dit, veillez et priez pour ne pas tomber dans la tentation. La chair, maman, la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Tu t'es trompé. L'esprit est disposé, maman, mais la chair... Trouve-toi un moyen pour résoudre cela. Tu dois faire ce que je te demande. Hein? Tu n'as pas discuté mes ordres. Sinon, je mourrai une seconde fois. Maman, laisse-moi, non? Laisse-moi de... Tu n'écoutes pas ce que je te dis? Hey, attends, tu verras. Maman, maman. Attends, tu deviendras père, que tu le veuilles ou pas. Maman, je suis là. Maman, je te suivrai partout. Hey. Mon Dieu. Est-ce que vous allez bien? Je vais bien. Je vais bien. Je fais un mauvais rêve. Ah, le sang de Jésus. Je te couvre par le précieux sang de Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, amen. Rien ne vous arriverait. Amen. Alors, qu'est-ce que tu fais encore ici? Je pensais que tu es partie avec ton amie Esther. Non, elle t'attend, elle est à l'extérieur. Oh, ok. Alors, je peux aller la voir. Ok. Tu pars de quel formulaire? C'est de religieuse. N'est-ce pas que je t'ai dit que j'aspirais à devenir une sœur religieuse? As-tu oublié? Tu veux devenir une révérende sœur? Oui, tu as déjà oublié. Je me rappelle. C'est très bonne nouvelle. Vraiment, c'est bien.
Merci. Après la paroisse, je viendrai à la maison. Ok, j'apporte le formulaire à la maison ce soir. D'accord, ce n'est pas un problème. Ok, alors... Semira, regarde ton œil. Attends. Ah! C'est mi-bye. À plus tard. Ah! Si tu veux avoir une femme qui sait utiliser les WhatsApp, je vais apprendre à l'utiliser, je te promets. Laisse-moi, Esther. S'il te plaît, je te veux. Esther? Tu peux les toucher et sentir, c'est la même chose. Je ne l'ai jamais fait avant. Je te promets, je vais apprendre. Esther? Je me mettrai non, à ta non, taille. Non, 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 Esther, ça c'est le diable qui te pousse de faire ce que tu fais. Esther, ça c'est l'œuvre du démon qui opère en toi, ok? La Bible dit, soyez vigilants et priez pour que vous ne soyez pas tentés. Parce que la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Steve, tu es un serviteur des dieux. Tu dois devenir un prêtre. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le igbo, le twi, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenus vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram aforevo.dobbing, sur notre site web www.aforevo.dobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement. Blessed Virgin Mary, es inaigejema. Adaromu mama rize, tinyakino vlaka. Opaune fada, ariram nario. Mama must become a priest. Okay, chilili fada. Masarafa, masarafa. Okay, chilili fada. Ay, mama ekwa chiligo, toyan ne fada. Ne fada. God bless yekiyo. You must be a priest. Take it easy, mama. Never high BP. What must be, you know go. Well, in your wire, if any need in a catch you go, can it be where you? Never die. She wants him to be a reverend father. That's all. Virgin Mary. Is it 9 days? I don't know, Mamma, is it in your kin of Waka? Upon my father, I read on. Mamma must become a priest. Okay, Chilili Father.